Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la matinale bio. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons parler consommation. Alors s'il est vrai que quand on achète des produits alimentaires, il est assez facile d'obtenir des informations sur les propriétés nutritionnelles de tel ou tel produit, qu'il soit bio ou pas d'ailleurs. En revanche, dès que l'on veut connaître l'impact de la fabrication, de l'élaboration du produit sur l'environnement, c'est beaucoup plus compliqué, pour ne pas dire impossible. C'est un sujet à la fois délicat, sujet sensible, parfois aussi un sujet polémique, et c'est de cela dont nous allons parler tout au long de cette matinée sur ce plateau. Mais avant cela, eh bien, je retrouve, comme c'est désormais la tradition, Laure Verdeau, la directrice de l'Agence Bio. Bonjour Laure. Bonjour Philippe. Alors, évidemment, un sujet délicat, je disais sensible, parfois polémique, mais un sujet que vous avez décidé, eh bien, de mettre devant les caméras et de traiter en toute transparence. Ah, il s'est imposé de lui-même parce que du coup, on a eu en fait, tout a démarré d'un entretien où quelqu'un nous dit « Oui, avec l'affichage environnemental, le poulet pourrait être bio, pourrait ne pas avoir de bonnes notes. » Alors on a été un peu interloqué, donc on dit bah oui, un poulet bio, il va vivre plus longtemps, donc il va manger plus et puis il va gambader et donc consommer de la surface. Et donc il aurait une mauvaise note. Donc évidemment, comme à chaque fois, au fur et à mesure des entretiens, il apparaît que la réalité elle est plus complexe et elle mérite du coup d'être plus documentée. Et c'est pour ça qu'on a décidé de consacrer cette matinale à l'affichage environnemental pour tout comprendre. Et qu'on a concocté un plateau de première qualité avec des experts. On a des entrepreneurs bio, des agriculteurs bio, des porteurs de projets, des expérimentations qui sont actuellement en cours et sur la base desquelles les pouvoirs publics vont relever les compteurs en juin pour tirer un premier bilan. Et donc on espère que ce soit un professionnel du bio qui est devant son écran ou un consommateur ou un citoyen, il ressorte d'ici 90 minutes avec tous les éléments de réflexion et d'information dont il a besoin pour avoir un avis éclairé sur l'affichage environnemental. Alors c'est vrai que l'affichage environnemental, l'étiquetage environnemental, je disais, c'est un sujet compliqué. Ça veut dire aussi que le petit logo vert ou la petite feuille européenne, ça suffit plus pour obtenir l'adhésion des consommateurs ? Alors ça déjà, c'est pile dans les sujets, dans les missions d'intérêt général que nous on a à l'agence, parce qu'effectivement il faut qu'on puisse en discuter, et nous on a un rôle d'instance de dialogue, on a un rôle d'instance de concertation, on fait se rencontrer l'écosystème et on le fait effectivement discuter quand il y a des sujets qui créent un peu d'émotion comme ça. Quant à dire que le logo vert, c'est peut-être plus assez, je ne peux pas vous laisser dire ça, puisque donc en mars dernier, on a publié notre baromètre, notre 18e baromètre annuel de la consommation, et il apparaît qu'il y a 15% de nouveaux venus dans la consommation bio cette année, en particulier des jeunes et des populations avec des pouvoirs d'achat qui sont moindres, donc déjà on se réjouit. Et puis là, on peut dire que c'est stable depuis plusieurs années, il y a à peu près 9 Français sur 10 qui consomment au moins une fois par mois du bio. Donc ça y est, c'est vraiment ancré, donc c'est la preuve que pour tous ces gens qui se posent la question chaque année de consommer plus responsable, le bio, que ce soit l'Eurofeuille ou la marque AB, c'est la même chose, ça constitue quand même le phare et le repère. Bon, alors vous allez croire que je vous en veux, mais je me mets à la place des consommateurs, que nous sommes tous d'ailleurs. Quand on est devant les rayons, on voit des emballages et on va voir Nutri-Score, peut-être l'affichage environnemental, peut-être des labels, peut-être des marques privées ou des logos privés. Est-ce que finalement, trop de labels ne va pas tuer le label ? Un peu comme les maillots des coureurs du Tour de France où il y en a trop et on ne voit plus. Absolument, d'ailleurs, c'est toujours un peu la question qu'on se pose avec les sponsors du Tour de France. C'est pas tellement la même chose parce que ce n'est pas des pubs en fait. On a remarqué dans toutes les études qu'on fait année après année, il y a une envie croissante d'avoir des informations, d'en savoir plus sur ce qu'on mange. On a de plus en plus le réflexe de retourner notre produit alimentaire dans les rayons, de le scanner. Et donc déjà, ces labels, ces logos, ils donnent de l'information. Ils ne sont pas là pour faire de la pub, contrairement au Tour de France. Et surtout, là, à l'agence, nous, on suit ces démarches, cette espèce de croissance des labels. Il y a des démarches qui se multiplient. On en a recensé à peu près une quarantaine. Donc, il y en a certaines, effectivement, qui sont des points sur le chemin pour aller vers le bio. D'autres qui veulent ajouter des choses au cahier des charges bio. Et on s'en réjouit parce que ça aiguillonne aussi notre réflexion. Ça nous renseigne sur ce que veulent les consommateurs et puis ça nous aide à faire évoluer le cahier des charges bio parce qu'il n'est pas gravé dans le marbre, il évolue et ça nous permet d'étayer notre réflexion et notre action. Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout au long de cette matinée. Mais avant cela, Julien de Normandie, le ministre de l'Agriculture, a souhaité vous envoyer un petit message. On le regarde. Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux de m'adresser à vous aujourd'hui à l'occasion de cette matinale de l'Agence Bio. Il était en effet important pour moi d'être présent pour cet événement, même à distance.
Et je voudrais tout d'abord saluer l'engagement et la qualité des travaux portés par l'Agence Bio et ses équipes. Grâce à la connaissance du secteur, vous donnez les moyens d'adapter nos actions afin de soutenir toujours plus l'essor du bio en France. Je suis un ardent défenseur de l'alimentation saine, durable et locale, comme vous le savez. Ceci se reflète dans un nombre important de dispositifs du plan de relance. À ce titre, l'agriculture biologique y trouve une place de premier choix, qu'il s'agisse du développement des projets alimentaires territoriaux, les fameux PAT, qu'il s'agisse du renouvellement du crédit d'impôt bio ou qu'il s'agisse encore de l'aide à la structuration de filières, en particulier par le renforcement de plus de 50% du fonds Avenir Bio. Et puis, en complément de ces mesures de soutien existants, il me semble que l'ensemble des dispositifs doit permettre d'accélérer et de pérenniser la transition écologique par la création de valeur. Et cela doit se faire en s'appuyant naturellement sur l'agriculture biologique. La création de valeur, c'est le nerf de la guerre pour s'assurer de la pérennité de notre agriculture, mais aussi pour accélérer les transitions agroécologiques. Les transitions agroécologiques, elles doivent être créatrices de valeur pour l'environnement, mais si on veut qu'elles soient rapides, elles doivent aussi être créatrices de valeur pour le compte de résultats de nos agriculteurs. Alors, oui, évidemment, aujourd'hui, les défis sont multiples et nous devons les aborder avec méthode. Vous avez choisi comme thème de cette matinale la question de l'affichage environnemental pour orienter les consommateurs. Le secteur alimentaire représente environ 20% de l'empreinte carbone des ménages. La question est donc essentielle. L'affichage environnemental permettra de guider encore plus l'acte d'achat. Et cet affichage environnemental, aujourd'hui, il repose sur une méthode, la méthode d'analyse de cycle de vie. Cette méthode, elle est actuellement utilisée dans le cadre de l'expérimentation sur l'affichage environnemental et elle est fondée sur de multiples indicateurs. Toutefois, malgré l'ensemble de ces indicateurs, les résultats parfois surprennent et même peuvent être critiqués. Et j'entends ces critiques comme vous d'ailleurs, car elles reflètent avant tout l'extrême complexité de pouvoir caractériser simplement toutes les dimensions environnementales, au premier rang desquelles l'impact carbone. Et ce débat sur la méthode de l'analyse de cycle de vie met en évidence parfois les limites méthodologiques qu'il nous faut donc corriger et améliorer le plus rapidement possible. Notre objectif est donc bien de compléter l'approche de l'analyse du cycle de vie avec d'autres méthodes d'analyse complémentaires pour obtenir un outil plus juste, plus fidèle aux réalités des pratiques. Un appel à candidature a d'ailleurs déjà été lancé. De nombreux consortias y ont répondu. Tout un travail d'analyse est donc en cours pour présenter des solutions très pratiques, opérationnelles, mais aussi un rapport au Parlement, à l'automne, ce même Parlement qui est fortement impliqué sur cette question. À terme, je suis certain que cette consultation, ce travail technique, fera émerger des méthodes complémentaires qui permettront une prise en compte réelle de l'impact environnemental et notamment de l'impact carbone, afin de favoriser les circuits courts, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Et puis, vous le savez, le projet de loi Climat et Résilience, qui est actuellement en débat à l'Assemblée nationale, traite également de ce sujet si important. Il prévoit, par exemple, un dispositif d'affichage environnemental dans lequel l'ensemble des externalités doit être pris en compte. Les députés et le gouvernement partagent cet objectif de mettre en valeur les systèmes agricoles, vertueux notamment sur le plan carbone. Et vous en faites évidemment partie. Le rôle que vous jouez est à ce titre absolument essentiel pour faire avancer, pour faire progresser, pour accompagner l'ensemble de la filière. Alors, je voudrais vous remercier pour vos actions, pour vos travaux, et je voudrais vous dire que je suis à vos côtés et vous souhaite à toutes et tous une très belle matinale, riche en débats, riche en enseignements autour de ces questions de l'agriculture bio. Je vous dis à très bientôt. Merci Julien de Normandie. Je vous rappelle également que vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez. C'est très simple, via les réseaux sociaux, via Instagram, Facebook, Twitter. Je me ferai un plaisir d'être votre porte-parole auprès de tous nos invités. Alors pour débuter, nous allons tenter de répondre à une question. Hein. Les produits bio sont-ils une réponse aux préoccupations environnementales des consommateurs? Mais avant cela, vous le savez, là aussi c'est une tradition. Nous allons faire un petit tour de France, de la France bio. Et ce petit tour de France, eh bien, nous allons le débuter très au sud, en Camargue. Retrouvez de la terre à l'assiette avec l'Agence Bio. Mmh.
L'agriculture biologique, pour moi, ça a été vraiment une nécessité, avec des méthodes qui soient beaucoup plus en phase avec mon projet de vie et la préservation du biotope dans lequel nous vivons, la Camargue. La plante de riz n'est pas très appétante. Donc les animaux, les canards qui ont le bec fin, vont passer à côté sans la toucher. Les canards-là ont un travail de prévention sur les futures rizières de l'année d'après, par leur piétinement et par leur alimentation. Sans animaux, le bio ne peut pas fonctionner. On vend à peu près une vingtaine de tonnes par an de riz conditionné. C'est ça l'agriculture. La vraie agriculture, c'est ça. C'est un équilibre. C'était De la Terre à l'Assiette avec l'Agence Bio. Retour sur le plateau de la matinale bio et nous allons retrouver en duplex notre première invitée, Natacha Sautreau. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable du pôle durabilité à l'ITAB. L'ITAB, c'est l'Institut technique de l'agriculture bio et vous avez rédigé un rapport intitulé « Quantifier et chiffrer économiquement les externalités de l'agriculture bio ». Alors, première question, concrètement, est-ce que vous sentez aujourd'hui que les consommateurs sont préoccupés par l'impact environnemental de l'élaboration de tel ou tel produit alimentaire? Oui, je pense qu'effectivement, ça a été dit, la conscience environnementale augmente, elle est relayée par les médias, par ce que nous vivons au quotidien, sans parler même bien sûr de la crise du Covid qui a rappelé ce concept du One Health qui a été présenté lors de la précédente matinale bio que vous avez animée par Christian Huyghe et qui est, je dirais, fondamental. Ce concept du One Health, finalement, c'est santé des milieux, santé des plantes, santé des animaux, santé des hommes. Et finalement, cette santé globale, finalement, la santé environnementale est une clé de voûte pour répondre à ces enjeux globaux. Et cette pression également du climat qui a été rappelée par Julien de Normandie également est une prise de conscience citoyenne, sociétale. Donc oui, je pense qu'il y a une réelle montée en puissance. Et d'ailleurs, je crois que l'Agence Bio est tout à fait bien placée pour le rappeler régulièrement, puisque le baromètre dont Laure Verdeau a rappelé l'existence annuelle, qui prend la température régulière, rappelle que année après année, cet enjeu et cette conscience environnementale augmentent également. C'est-à-dire que dans les décennies précédentes, les achats bio étaient essentiellement motivés par les questions de santé, mais ils sont dorénavant quasiment, à même hauteur entre enjeux de santé et enjeux environnementaux. Donc oui, tout à fait, c'est une réelle, et au-delà des consommateurs bio, hein, encore une fois, c'est une conscience citoyenne, partagée de façon générale, sans parler des actions climat, de la jeunesse, voilà. C'est quelque chose qui est montant et en particulier présent auprès de partagés par nos jeunes. Alors il y a un paradoxe, tout de même, vous le disiez à l'instant, hein, la préoccupation environnementale rentre en ligne de compte, mais les consommateurs reconnaissent que pour le moment, ils n'ont pas véritablement d'informations. Donc là, il y a vraiment un manque à combler. Alors effectivement, je ne sais pas si les consommateurs considèrent qu'ils n'ont pas d'informations. Ils ont de l'information et notamment... Laure l'a rappelé en introduction, ils ont de l'information via un foisonnement d'allégations, un foisonnement d'étiquettes. Et c'est vraiment l'enjeu aussi de cette expérimentation que vous avez rappelée, c'est d'apporter du discernement et d'apporter des méthodes pour, in fine, proposer des allégations plus encadrées, des méthodes... Des allégations privées qui se développent. Et au contraire, finalement, je pense qu'on a aujourd'hui cette question au regard de cette montée citoyenne, des prises de conscience citoyenne du climat et des enjeux environnementaux. On a, à contrario, ça va ensemble, ce foisonnement. On est plutôt là, au contraire, pour harmoniser, pour réfléchir, pour proposer des méthodes plus claires et objectivées et apporter du discernement, encore une fois. Alors... est-ce qu'aujourd'hui, c'est facile de quantifier justement l'impact sur l'environnement de l'élaboration de tel ou tel produit ? C'est pas facile, ça a été rappelé. Ça a été rappelé en disant que c'était quelque chose par vous-même, par le ministre, c'est quelque chose de complexe.
Pour faire simple, je dirais dans un premier temps et pour montrer tous les enjeux, on a bien entendu l'enjeu climat, mais pour autant, il faut rappeler que l'enjeu climat ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt des enjeux, pour reprendre une formule de Guillaume Saint-Denis. Le climat est prépondérant dans nos préoccupations, mais également l'érosion de la biodiversité, qui est vraiment une préoccupation également croissante. La question de la pollution, des pollutions, pollution chimique, la question de la consommation des ressources peu ou non renouvelables. Donc finalement, on voit bien que on s'attaque à je dirais, une palette d'enjeux couplés. C'est l'enjeu. Et au-delà des impacts négatifs, ce qu'on appelle les externalités négatives sur l'environnement, il faut rappeler ici, je pense que c'est très important, l'agriculture n'est pas une activité économique comme les autres. C'est-à-dire que on voit bien qu'elle produit des biens privés comme toutes les activités, bien entendu. Elle génère des consommations de ressources, elle génère de l'impact, des gaz à effet de serre, etc. Mais l'agriculture est une activité très particulière dans le sens où elle repose directement, c'est une activité qui repose sur les services écosystémiques, sur les services rendus par l'environnement. C'est-à-dire que l'environnement n'est pas qu'un réceptacle qui reçoit des impacts négatifs. L'environnement est vraiment un facteur de production. Tout un chacun le perçoit intimement, hein, dans son expérience avec la nature, avec le service de pollinisation par les abeilles, le service de séquestration de carbone dans les sols. L'agriculture, finalement, est à la fois contributrice, elle subit le changement climatique, mais elle peut apporter des solutions. Donc, on voit bien que ces services rendent la question de l'évaluation environnementale beaucoup plus complexe. C'est pas juste des impacts négatifs sur un compartiment, mais c'est vraiment comment rendre compte de externalités négatives, donc les pollutions, les impacts que j'ai rappelés, la santé, et les impacts, bien sûr, les externalités positives qu'on appelle aussi des aménités pour la société. Et c'est toujours très difficile de les révéler, puisque souvent, finalement, lorsqu'on travaille à révéler ces externalités, c'est souvent des impacts sur les biens non marchands, que ce soit l'eau, l'air, les sols. Et finalement, c'est ce que Elinor Ostrom, prix Nobel d'économie, appelle finalement la tragédie des communs. C'est-à-dire que les biens privés, on parle du coût de denrées, de commodités qui circulent sur des marchés globalisés. Mais souvent, on ne prend pas en compte tous ces effets cachés, dissimulés, que le citoyen doit également payer, mais par ailleurs, en fait, pour dépolluer de l'eau, des frais de santé. Donc, c'est tout l'enjeu de révéler, je dirais, un continuum d'effets qui sont plus ou moins révélés et de les encapsuler finalement dans une approche produit pour qu'un consommateur, in fine, soit plus avisé de l'ensemble des impacts. C'est ça l'enjeu. Mais est-ce que ce n'est pas mission impossible? Parce que en préparant cette émission, je me suis rendu compte que tous les critères, on pouvait les mettre dans un énorme carton à chapeau, et qu'ensuite, ce carton à chapeau, on devait le faire rentrer dans une boîte d'allumettes. Et ça, c'est totalement impossible. Donc qu'est-ce qui vous permet de dire qu'aujourd'hui, bon, on va y arriver, et qu'on va réussir à faire rentrer le carton à chapeau dans la boîte d'allumettes? C'est une belle image que vous prenez. On peut dire aussi un grand écart entre la complexité et finalement un affichage qui se doit au final être simple, compréhensible, et avoir de l'impact pour les consommateurs. Et effectivement, on sait que les consommateurs passent peu de temps dans les rayons à attraper un produit et donc ne vont pas passer des heures à lire tout ce qui va être à poser sur le produit. Donc, on a une sorte de grand écart où cette fameuse boîte a condensé l'information. Effectivement, l'enjeu est réel, la complexité est là. À notre sens, quand je dis à notre sens, on travaille avec de nombreux chercheurs, hein, sur ces questions-là au niveau à l'ITAB. On est en lien étroit et cette étude que vous avez rappelée, je l'ai conduite avec INRAE, en particulier mon co-auteur Marc Benoît, mais également la cellule donc DEPE qui a été rappelée. Donc, c'est une étude, une cellule à l'INRAE. Qui travaille sur de l'expertise, qui produit des expertises, donc Isabelle Savigny, une équipe de direction. Donc c'est vraiment travailler en proximité étroite avec INRAE et Louis-Georges Solaire, qui préside cette expérimentation au niveau du conseil scientifique, l'a rappelé lui-même. Finalement, ces multiples enjeux ont des composantes strictement politiques. Quand je dis politique, c'est au sens tout à fait noble, hein, du terme politique. Ce sont des choix politiques qui engagent, des choix
voilà, de sociétés, de parties prenantes qui doivent être débattues. Quel est le poids finalement à accorder au climat versus la protection de la biodiversité ou les questions de pollution? Quelle est la pondération de ces multiples enjeux sur les ressources, la consommation de ressources, tout ça en fait? Qui décide ce qui compte et à quelle hauteur ça doit compter? Chaque dimension doit compter. On voit bien que chaque partie prenante va tirer sur ces enjeux qu'il considère prépondérants. Et donc, on voit bien que ça, c'est pas la science qui pourra dire le climat doit peser 22,5% ou voilà. On voit bien qu'il y a des arbitrages strictement politiques dans la palette des enjeux à combiner. Et encore une fois, c'est important de rendre compte de cette palette d'enjeux et de les combiner. Et quand on parle d'enjeux environnementaux, on voit bien qu'il faut même aller au-delà et prendre en compte des enjeux qu'on pourrait dire plus sociétaux, en intégrant par exemple la question du bien-être animal, qui n'est pas une question strictement environnementale, mais Laure l'a également très bien illustré en introduction. Prendre en compte le bien-être animal, ça veut dire notamment, mais pas que, dans le cahier des charges de l'agriculture biologique et dans d'autres cahiers des charges, par exemple, un espace plus grand, une aire de vie plus grande. Est-ce qu'il y a des impacts, en fait, sur les questions de notes ACV, telles que l'ACV, analyse de cycle de vie, va vous être présentée dans le déroulé de l'émission, mais ça a des impacts négatifs parce que la surface, donc, effectivement, est plus grande. Et on voit bien qu'on doit concilier et trouver des compromis entre les multiples enjeux, non seulement environnementaux, mais également sociétaux. C'est une attente citoyenne croissante. Donc, ça serait un petit peu problématique de dire entassons nos animaux dans la plus petite, le plus petit espace possible, avec une durée de vie la plus contrainte rapide, avec une croissance la plus rapide possible pour avoir la meilleure note possible environnementale. Ça paraîtrait quand même un petit peu problématique au final, de pas conjuguer également avec la question du bien-être animal. Oui, parce qu'à l'extrême, on pourrait dire que un agneau ou un mouton élevé en batterie ou en Nouvelle-Zélande pourrait être mieux noté qu'un mouton de présalé du Mont-Saint-Michel. Alors, c'est un très bon exemple que vous prenez là. L'exemple de l'agneau est particulièrement, je dirais, symbolique, symptomatique des questions qui nous sont posées côté recherche. Il faut savoir que typiquement l'élevage agropastoral méditerranéen est très consommateur donc de parcours. On sait tous les services que cet élevage rend, donc notamment prévention des incendies, ouverture des milieux. Par contre, effectivement, là encore, il est consommateur d'espace. Donc d'élevage de parcours, et il peut être effectivement moins bien noté par rapport à un élevage en bergerie, plus intensif finalement. L'ACV, s'il fallait résumer l'ACV, c'est en l'état aujourd'hui, parce que bien sûr que l'ACV a vocation à s'améliorer à terme, mais s'il fallait résumer finalement ce qu'aujourd'hui en l'état elle reflète finalement un bon niveau d'éco-intensification. Par contre, elle a du mal à refléter toutes les fonctionnalités écologiques et l'agroécologie, donc la question de la biodiversité, de la diversification des systèmes, de l'autonomie des systèmes également. Typiquement, avec des notes ACV, le ministre a rappelé, j'ai noté l'importance qu'il accorde à favoriser les circuits courts, une alimentation locale. Pour autant, aujourd'hui, en ACV, les systèmes avec recours aux importations, aux tourteaux de soja importés du Brésil, donc avec de la déforestation importée, ne sont pas si mal notés. Et pourquoi ? Parce que dans les notes ACV, finalement, le transport pèse très peu. Parce qu'il est massifié finalement avec des grands, avec des bateaux, vous pouvez massifier au kilo l'alimentation animale via les tourteaux. Et finalement, c'est un modèle qui n'est pas discrédité par ce type de calcul. Donc on voit bien qu'il y a besoin, effectivement ça a été rappelé par le ministre, il y a besoin d'indicateurs complémentaires pour évaluer ces systèmes. Alors, je rappelle que vous pouvez bien évidemment interagir, réagir, poser vos questions sur les réseaux sociaux. Je vois une question de Jean-Pierre qui nous dit « Le consommateur est globalement perdu avec tous ces labels. Seules les personnes averties connaissent. Et encore, est-ce que là, justement, on risque pas d'avoir un label de plus qui va se perdre ?» C'est un petit peu la question que je posais tout à l'heure en tout début d'émission à Laure Verdot. Alors, on peut se réjouir
d'une montée en gamme, bien sûr, avec des démarches de cahier des charges plus contraignants qui posent des critères des respects. Après, la difficulté, en effet, c'est de, dans ce foisonnement, faut pas que ce soit ce que certains appellent du greenwashing avec, juste du marketing ou de la publicité, comme Lambert Doux l'a indiqué en introduction. L'idée étant vraiment d'avoir, des allégations qui correspondent à des enjeux importants en termes d'écologisation du système et qu'il y ait une cohérence finalement entre la mise en œuvre de pratiques agroécologiques et le reflet de ces pratiques dans la note finale. Alors j'ai une dernière question à vous poser. Est-ce que finalement tout ça, ça sert à quelque chose? Parce que on pourrait se dire que, et d'ailleurs au niveau de la Commission européenne, un produit bio est considéré comme un produit vert d'office. Donc pourquoi se casser la tête à rajouter des informations alors que pour la Commission européenne, l'affaire semble déjà entendue? Oui, c'est un point que je vous relayais effectivement lors de notre premier échange de préparation. Aujourd'hui, au niveau de la PAC sur l'éco-conditionnalité, sont considérés comme vert d'office au regard de ces critères d'éco-conditionnalité. Donc, effectivement, on pourrait, aujourd'hui, on travaille avec les chercheurs sur cette question d'affichage environnemental et on pourrait, avoir une approche via une option qui valorise les labels sans rentrer par le détail de chacune des pratiques. Et donc, on verra in fine dans le rapport qui sera rendu au Parlement quelle est la solution, qui soit à la fois simple, pas trop coûteuse, la plus fiable, pertinente, robuste. Donc, c'est un exercice auquel on se prête, savoir comment travailler la question des labels via notamment des méta-analyses. Alors quand on dit des méta-analyses au niveau de la recherche, en fait, ce sont une revue de littérature qui permet, d'au-delà de certains cas, de monter finalement un peu en généricité en tirant des grandes conclusions. Et les méta-analyses sur l'agriculture biologique montrent effectivement sur des questions comme l'enjeu biodiversité, qui est très mal reflété, encore une fois, aujourd'hui, comme l'enjeu de toxicité, qui est très mal reflété dans les ACV sur l'usage des pesticides de synthèse, et donc qui, de facto, défavorise dans la comparaison, comparaison qui, actuellement, n'est pas recommandée en l'état des ACV par les chercheurs eux-mêmes, qui ont généré ces méthodes, notamment donc Ayo van der Werf, qui a travaillé depuis plus d'une décennie sur ces méthodes-là. Donc, la question est aujourd'hui de ne pas comparer via les ACV ces systèmes de production. Donc, sans doute que la question de passer par les labels est une manière intéressante pour continuer à avancer de façon concrète. Et donc, pardon, j'ai pas fini pour le point sur les méta-analyses. Sur la biodiversité, de nombreuses méta-analyses montrent des contributions, des atouts de la bio sur une biodiversité renforcée. Donc, c'est vrai que c'est une manière aussi de travailler la question de la biodiversité via des revues de littérature scientifique. Alors, Natacha, une dernière question. Je vous demanderai une réponse assez rapide. Une question de Diego sur les réseaux sociaux. Comment simplifier les critères environnementaux pour que les progrès soient quantifiables? Comment simplifier, les indicateurs les critères environnementaux pour que les progrès soient quantifiables par tout à chacun? Alors, je pense que toutes ces démarches sont tout à fait louables. Je pense qu'au-delà des critères, il y a une question de formation et d'information. Je pense que c'est aussi par manque de connaissances. On sait que consommer de la viande, effectivement, ou des produits carnés en général, et potentiellement plus consommateur de ressources que des produits végétaux. Après, il faut effectivement, ça a été rappelé, je crois, lors de votre précédente matinale, l'idée n'étant pas d'arrêter de manger de la viande. En bio, la question de l'élevage est prépondérante dans le cadre du bouclage des cycles, donc est importante. Par contre, c'est effectivement manger moins, mais manger mieux. Donc, je crois que ça a été déjà dit et je pense que c'est vraiment important dans l'évolution des régimes alimentaires. Et je pense qu'il y a des éléments au-delà des indicateurs, il y a vraiment des questions de formation, de montée en compétences sur ces enjeux au niveau de la population en général et des consommateurs en particulier. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci, Natacha Cotreau, d'avoir participé à cette matinale bio. Et nous allons poursuivre notre petit voyage dans la France bio. Et cette fois-ci, eh bien, nous remontons direction l'ouest, puisque nous allons en Bretagne.
Retrouvez De la Terre à l'Assiette avec l'Agence Bio. Étaient des pionniers de l'agriculture bio dans les années 50, 60. On produit pour que les gens qui sont là, qui vivent autour de nous, puissent manger les produits qui sont faits là, en local. Et ça, avec Loïc, c'est formidable parce qu'on est tout proche et c'est un plus pour tout le monde. On a voulu revenir dans notre région de cœur, qui était la Bretagne. On a toujours été attiré par l'alimentation durable et les bonnes choses. On s'est mis à faire une conserverie de légumes bio breton. Nous, on reçoit nos fruits et légumes quotidiennement. On va les laver, on va les nettoyer, on va bien s'en occuper. On va les couper, les cuber, les mettre en pot, les mettre en bocaux. Et puis, à partir de là, on va pouvoir mettre une étiquette dessus et vous donner toute l'information nécessaire pour que vous sachiez toutes les bonnes choses qu'il y a dedans. Et l'agriculture qu'on fait aujourd'hui, on pourra la faire dans 10 ans, dans 50 ans, dans 100 ans. C'est une agriculture pérenne. C'était De la Terre à l'Assiette avec l'Agence Bio. Alors, en matière d'affichage environnemental, on pourrait presque dire, au risque de paraphraser Coluche, qu'on a l'embarras du choix, et on a surtout l'embarras d'ailleurs, parce que ils sont multiples. On parle d'éco-score, de score carbone, d'analyse cycle de vie, d'agribalise. Il y a de quoi être perdu, franchement, quand on est consommateur et qu'on n'est pas un spécialiste des questions d'environnement et des questions d'alimentation. Alors, on va essayer de s'y retrouver avec nos deux prochains invités. Anne-Claire Asselin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes consultante, expert, empreinte environnementale, analyse, cycle de vie. Alors, on verra avec vous comment tout ça s'organise. Fabrice Boissier, bonjour. Bonjour. Alors, Fabrice, vous êtes directeur général délégué de l'ADEME, l'agence pour... À chaque fois, je me mélange dans les... Alors, ça n'a rien à voir avec les lettres de l'ADEME, c'est Agence de la Transition Écologique. Voilà. Parce qu'avant, c'était l'agence pour avant, le développement de l'énergie. L'agence de l'environnement et la maîtrise de l'énergie, mais c'était au XXe siècle, on va dire. Voilà. Au XXIe siècle, l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on organise la transition écologique de notre société française en particulier. Il y a une urgence, et donc notre rôle, c'est d'accompagner tous les acteurs dans une vision transverse des enjeux. Ah bah justement, on va croire qu'on avait presque préparé cette émission. Quand vous parlez de transition écologique, nous, les citoyens lambda, on entend ça au JT tous les jours, transition écologique, mais ça ne nous parle absolument pas. Est-ce qu'il y a des trucs qui vont faire qu'un jour, ça nous parle et que ceux qui adhéreront ne seront pas que des militants écologistes ou en tout cas des gens concernés directement par la transition écologique? La transition écologique, ce n'est pas une affaire de spécialistes, c'est l'affaire de tous. Parce que tous, on habite quelque part, on se déplace, on mange. Et en fait, il faut prendre conscience qu'à chaque fois qu'on fait ces actes quotidiens, on a un impact sur l'environnement. L'alimentation, nous mangeons tous 3 fois par jour, c'est bon an mal an un quart de notre empreinte environnementale sur les gaz à effet de serre. C'est bien sûr aussi une autre empreinte sur les ressources, sur la biodiversité. C'est aussi 20% de notre budget des ménages. Donc un acte comme l'alimentation, qui est au cœur de nos vies, il faut voir qu'on peut aujourd'hui se réinventer collectivement pour que cette alimentation soit plus vertueuse et contribue à la protection de notre planète. Simplement, c'est comment est-ce qu'on va ensemble y arriver. C'est pas l'affaire juste du consommateur tout seul devant ses rayons. C'est pas l'affaire juste du producteur, qu'il soit agriculteur ou transformateur, qui doit bien sûr doit faire des efforts. Mais ensemble, il faut qu'on réussisse à réinventer des systèmes alimentaires plus vertueux pour l'environnement. Et il faut des points de repère. Parce qu'une fois qu'on a dit ça, c'est bien beau, mais quand on se retrouve devant un rayon... On est un peu tel une poule devant un cube. Exactement, et c'est là où on se dit l'affichage environnemental, ça peut être une aide. Une aide, c'est-à-dire que ça ne va pas tout faire, il ne faut pas rêver, ça ne va pas être la baguette magique qui va vous dire ce que vous allez manger tous les jours. Parce que d'abord, le consommateur, il est quand même intelligent, il a des préférences, donc c'est ça qui compte d'abord, mais on veut essayer de lui apporter un outil qui va pouvoir éclairer ses choix. Donc l'affichage environnemental, on va lui demander 3 choses. On va lui demander d'être lisible, compréhensible par le consommateur. On va lui demander d'être objectif et fiable. Et ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que si on fait un affichage qui trompe le consommateur, on est tous perdants. Et donc, il a été évoqué là déjà ce matin le fait qu'il y avait un peu une jungle des logos. La première chose à éviter, c'est les logos qui sortent de nulle part où une entreprise dit « mon produit, il est vert, il est vertueux », sans aucun critère qui permette de déceler si c'est vrai ou pas. Le contre-exemple, c'est le label bio. Quelqu'un qui a le label bio, il y a un bureau d'études indépendant qui est venu vérifier qu'effectivement, l'agriculteur avait des pratiques conformes au cahier des charges. Ça, c'est un label qui a une valeur.
Mais ce qu'on appelle les auto-allégations, c'est quand quelqu'un se proclame bio ou vert ou n'importe quoi, il faut absolument exclure ça. Ça nettoierait déjà largement le paysage. Alors, avant de revenir en détail sur ces logos, et notamment sur Agribalis, qui est une création Adem, on en reparlera dans un instant. Anne-Claire Asselin, moi, je voudrais qu'on on le notait un petit peu dans ce que disait Fabrice à l'instant. Il ne faut pas que ce soit un truc, on vous dit c'est bien ou c'est mal. Quoi. Il faut nous laisser quand même encore un peu le choix de ce qu'on veut, de ce qu'on veut manger, de ce qu'on veut acheter. Tout à fait. Vous avez entièrement raison. Et je pense que la vertu de l'affichage environnemental, c'est pas de dire... c'est un petit peu différent d'un label qui dit c'est blanc ou c'est noir. L'affichage environnemental, c'est une gradation. C'est-à-dire ça va vous donner une information qui va être... un continuum d'informations entre des éléments plutôt très vertueux et des éléments plutôt moins vertueux. Une petite précision quand même, c'est l'affichage environnemental, c'est une information au niveau environnemental. Elle ne va pas vous donner les informations nutritionnelles du produit. Là, il y a déjà le Nutri-Score qui existe sur la plupart des produits. Absolument. Et donc, l'affichage environnemental va permettre aux consommateurs d'avoir une information en plus du Nutri-Score pour faire ses choix sur des aliments qui vont lui apporter les nutriments dont il a besoin et en fonction des différentes pratiques ou des différents éléments autour de l'environnement. Alors, je le disais dans le précédent plateau, Fabrice, on a l'impression quand même que cet affichage environnemental, c'est faire rentrer un carton à chapeau dans une boîte d'allumettes. Et vous y êtes collé, si je puis dire, à l'ADEME, en faisant Agribalis. Alors, Agribalis, c'est quoi concrètement ? Alors, effectivement, le problème a l'air très compliqué. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il ne faut pas qu'on l'aborde. Hein. Et donc, nous, depuis déjà une dizaine d'années, on travaille sur les méthodes ACV, donc analyse de cycle de vie, c'est-à-dire évaluer les impacts environnementaux depuis la fourche jusqu'à la fourchette, hein, depuis la culture dans les champs jusqu'à l'assiette, y compris le moment où on va cuire les aliments, mais quand on va les transporter, etc. Et avec cette méthode ACV, on arrive à avoir des résultats objectifs. Et donc, ça a été Agribalis, qui est une base de données ACV. Mais comme ça a été déjà dit par les précédents intervenants, ça ne dit pas tout des impacts. Donc, c'est une brique qui va pouvoir nous servir pour ensuite capitaliser et avancer plus loin. Et c'est là où aujourd'hui on a un moment très intéressant puisque la loi de février 2020 a donné 18 mois pour expérimenter des affichages environnementaux dans l'alimentation. Et c'est ce qu'on est en train de faire puisque l'ADEME, outre sa casquette d'avoir Agribalis, a une casquette là d'être l'animateur aux côtés des ministères pour organiser cette expérimentation. Alors on est en plein dedans. Alors, l'expérimentation, on a ouvert un appel à manifestation d'intérêt à l'automne dernier, au printemps dernier, excusez-moi, et que les gens ont pu déposer à l'automne dernier. 20 expérimentations ont été lancées. C'est des gens qui disent, nous on va essayer un affichage environnemental qui va essayer d'éclairer le consommateur. Mais comme c'est très compliqué, on va essayer plein de trucs différents. Et il y a des filières qui ont proposé des expérimentations, on va parler de celles proposées par l'ITAB tout à l'heure, des distributeurs, les mousquetaires au Carrefour, des restaurations collectives, le groupe Elior par exemple, des applis comme Yuka qui est la plus connue. Et donc tous ces gens-là disent, nous on veut essayer d'éclairer le consommateur et voilà comment on va essayer de le faire. On sait que personne n'a la solution aujourd'hui. Il y a encore plein de sujets à craquer. Mais au moins on se dit en expérimentant, on va pouvoir tester des choses et on va collectivement apprendre. Et il nous est demandé à l'ADEME et au groupe qui pilote l'expérimentation, à l'automne, de faire un rapport pour dire voilà où on en est, voilà ce qu'on a appris de ces expérimentations et voilà comment on pourrait avancer. Ça ne sera pas sans doute pas la fin de l'histoire. Hein. Probablement, il y aura encore des choses de la recherche à faire, peut-être de l'accompagnement, mais au moins, on aura capitalisé et on aura progressé dans la compréhension collective du sujet, à la fois pour les consommateurs et pour les producteurs. Anne-Claire Asselin, Agribalis, quand ça a été présenté, ça a fait couler un petit peu d'encre. J'ai retrouvé, d'ailleurs tout à chacun peut le retrouver sur Internet, il y a eu des polémiques sans fin en disant « Ouais, mais c'est bien beau leur truc, mais il manque plein de choses, ou ils n'ont pas pris tel ou tel critère. » Vous en pensez quoi ? Je crois qu'en effet, l'ACV, comme l'a mentionné Fabrice à l'instant, hein, l'ACV, c'est un formidable effort qui a été fait sur plusieurs années et la France porte tout à fait ses efforts et le flambeau, on va dire, au niveau européen là-dessus. Mais l'ACV, analyse du cycle de vie, ça ne suffit pas aujourd'hui
Pourquoi ? Eh bien, je dirais pour deux raisons essentielles de mon point de vue, ou trois. La première, c'est que l'ACV ne met pas suffisamment en valeur et n'évalue pas correctement les bénéfices favorables de l'agriculture biologique et des systèmes extensifs. Et ces bénéfices, donc c'est essentiellement les bénéfices sur la biodiversité, Natacha Sautreau en a parlé, les bénéfices aussi sur le stockage de carbone, dans les prairies en particulier et dans le cas de l'élevage extensif. Donc ces bénéfices ne sont pas suffisamment mis en valeur par l'ACV, manquent aujourd'hui, il y a un manque de granularité qui est tout à fait patent. Il y a un sujet qui revient régulièrement quand on parle d'agriculture et d'alimentation, c'est celui des pesticides, voire des résidus de pesticides. Est-ce que ça, c'est, par exemple, ça, c'est pris en compte ? Alors, à l'heure actuelle, dans l'ACV, telle qu'elle est accessible aux experts par les bases de données, par Agribalise et par les logiciels, cet aspect de résidus de pesticides n'est pas pris en compte. Et pour moi, c'est un élément effectivement tout à fait essentiel qu'il faut adresser. Et c'est un élément que nous avons prévu d'adresser dans le cadre du groupement ITAB Sayari VGF, qui donc est un des projets qui va faire l'objet de l'expérimentation. Dans ce cadre-là, parce que je veux juste donner des chiffres. Si on ne regarde pas les résidus de pesticides dans l'alimentation, on passe à côté du problème. Nous avons fait l'exercice, d'ores et déjà, dans le cadre de cette, pour remettre le dossier de l'expérimentation au mois de juin, nous avons fait l'exercice sur une pomme conventionnelle. Et nous nous sommes amusés à regarder, amusés entre guillemets, parce que ce n'est pas forcément amusant, mais nous nous sommes amusés à regarder les impacts liés aux pesticides, à la fois sur, on va dire, le citoyen et sur le consommateur. Lorsqu'on regarde les impacts liés aux pesticides juste sur le citoyen, c'est-à-dire en moyenne les émissions vers l'air, le sol et l'eau que ces pesticides génèrent et potentiellement de façon... Ce sont effectivement des résidus infimes malgré tout, mais ça part dans l'environnement et ça touche les humains, les citoyens, par l'air, le sol et l'eau, l'eau qu'ils boivent, l'air qu'ils respirent, etc. Le deuxième, on va dire, voie d'impact, c'est que lorsqu'on a cette pomme et qu'on la mange, on mange, si elle est conventionnelle, on mange des résidus de pesticides qui ont été appliqués. Et là, c'est le consommateur qui mange ces résidus de pesticides. Lorsqu'on regarde la pomme en général, l'impact sur le consommateur, qui est aussi un citoyen, qui a aussi respiré l'air et qui a consommé de l'eau, l'impact sur le consommateur de la pomme qu'il consomme, l'ordre de grandeur de la part des résidus, donc, est de 100 à 1000 fois plus que la partie environnementale. Cet élément des résidus de pesticides n'est aujourd'hui pas pris en compte dans l'ACV, malgré des recommandations, on va dire, du consensus international au niveau des Nations Unies. Et on est aujourd'hui en mesure, la science est là, le corpus scientifique est là, on est en mesure de le prendre en compte, et c'est un des éléments que nous saisissons de ce sujet-là pour le traiter, y compris, et donner des recommandations, y compris dans le cadre de l'expérimentation. Fabrice Boissy, on le voit bien, d'ailleurs, le sujet est immense. Il y a des trous dans la raquette, il va falloir boucher les trous au fur et à mesure. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut avoir une certaine humilité quand on s'attaque à un problème de cette taille. Se dire, c'est quoi l'atout de la méthode ACV ? C'est qu'elle est normalisée, elle est partagée au niveau international, et donc on peut travailler dans le collectif scientifique. Mais comme toute méthode, surtout avec cette ampleur, elle va avancer pas à pas. Et donc, ça va prendre du temps. Et donc, à chaque fois, on passe une marche, et puis on voit qu'il y a une marche derrière. L'exemple d'Anne-Claire est très très bon. Voilà, les résidus de pesticides, comment est-ce qu'on va pouvoir les prendre en compte ? On voit que le problème, il est posé. Comment est-ce que ça va pouvoir se traduire ensuite dans la méthode ACV de manière fiable, objective, réplicable ? Eh bien, ça, c'est le travail qu'il faut qu'on fasse collectivement maintenant. Voilà, donc, on est vraiment sur un chemin pour avancer. Mais pendant ce temps-là, le consommateur, il nous dit, mais attendez, mais moi, je veux être informé. Et il a raison. Et donc, il faut absolument qu'on trouve, en attendant peut-être que la méthode ACV progresse, et je pense qu'elle n'arrivera jamais à être parfaite, mais en attendant qu'elle progresse, il faut qu'on trouve des moyens d'informer le consommateur avec un socle sur l'ACV et des indicateurs complémentaires qui viennent corriger, apporter des informations complémentaires pour qu'on puisse progresser et que le citoyen et le consommateur aient cette information
objectif, fiable et lisible. Alors vous savez, ceux qui nous font l'amitié de nous suivre ce matin peuvent réagir à ce que vous dites. Alors par exemple, je vois une question, une réaction de Christophe qui nous dit « L'alimentation représente un quart des émissions de gaz à effet de serre. On attend beaucoup de ce secteur, de l'agriculture, de l'agroalimentaire. En termes de transition écologique, quid des trois quarts restants ?» Est-ce qu'on n'est pas encore en train, une fois, de taper un petit peu sur l'agriculture et l'agroalimentaire sans se soucier du reste ? Alors, pas du tout, parce que si vous regardez un peu ce qui se dit dans la presse, les débats à l'Assemblée nationale ou ailleurs, tous les secteurs sont concernés. Et dans tous les secteurs, on demande des efforts. Se loger, aujourd'hui, on ne peut plus construire des maisons comme on les construisait hier. Il faut absolument rénover tous nos logements. Le gouvernement met en place des aides massives pour accompagner les Français dans la rénovation de leur logement. Les transports, on parle quand même beaucoup des questions des transports aujourd'hui. On voit qu'il y a une mutation du monde des transports énorme. Si vous dites aux constructeurs automobiles qu'on ne tape que sur l'agriculture, je pense qu'ils vous diront « Ah non, vous ne vous rendez pas compte la crise que vit le monde de l'automobile. » Donc, tous les secteurs sont concernés. Et il ne faut pas oublier aussi qu'à chaque fois qu'on fait un acte de consommation, on importe aussi le plus souvent des émissions. D'ailleurs, importer si on achète de la viande élevée en Nouvelle-Zélande, c'est des émissions en Nouvelle-Zélande. Si on achète un vêtement produit en Inde, c'est importé de l'Inde. Et donc, il y a aussi ces impacts à l'extérieur de la France qu'il faut prendre en compte. Donc, la question de la transition écologique, elle concerne tout le monde dans tous les actes de notre vie. Alors, Anne-Claire, oui ? Oui, je voulais juste compléter parce que je pense qu'on est un peu trop focusé sur le problème du carbone. Le problème du carbone, c'est juste un des sujets qui nous préoccupe en termes, ou qui préoccupe l'ensemble des citoyens au niveau de l'environnement. Mais ce n'est pas le seul. Si vous regardez la récente publication du WWF en 2020, le WWF nous dit 70% de la biodiversité et de l'effondrement de la biodiversité aujourd'hui est lié à nos systèmes alimentaires. Donc ok, c'est 20% ou 25% du sujet carbone, mais c'est 70% du sujet de la biodiversité. Donc l'alimentation, c'est vraiment un élément clé, première chose. Deuxième chose, on s'aperçoit que lorsqu'on doit changer nos comportements, c'est plus facile de faire évoluer progressivement notre alimentation, c'est à la portée de tout un chacun, alors que faire évoluer sa mobilité lorsqu'on habite loin, lorsqu'on est en banlieue et qu'il faut qu'on aille au boulot, c'est pas si facile que ça, si on n'a pas des transports en commun à proximité. Faire évoluer les émissions de son logement et la consommation énergétique, c'est pas évident si on vient d'acheter son bien et qu'on peut pas en changer et qu'on peut pas déménager. L'alimentation, c'est quelque chose d'accessible à tout un chacun, si tant est qu'il ait l'information. Alors moi j'ai des questions, elles sont très nombreuses, merci d'ailleurs de réagir à ces propos. Question de Claudie Ravel de chez Guayapi, comment contribuer au groupe de recherche dont les rencontres sont prévues à l'automne 2021, Fabrice ? Alors là, aujourd'hui on est dans la phase expérimentation et donc on a retenu 20 expérimentations qui se sont manifestées jusqu'au mois de mars. Donc là on est dans cette phase où les expérimentations se déroulent, et puis après on va avoir une phase d'évaluation des expérimentations. Donc on est un peu dans un premier temps, et puis après le deuxième temps, ça va être la suite, comment est-ce qu'on avance à partir des résultats qu'on aura obtenus, et donc là il va falloir qu'on organise effectivement la contribution de tout un chacun, avec l'appui des pouvoirs publics, pour essayer d'orienter les recherches, d'autres expérimentations peut-être, et puis la mobilisation des acteurs, que ce soit les professionnels de l'agriculture, de la transformation ou de la distribution. Alors, il y a une question d'Eva qui nous dit « Le consommateur, face à un produit bio et un produit avec un bon affichage environnemental, donc on peut supposer qu'il ne soit pas forcément bio, est-ce que ça ne va pas détourner finalement les consommateurs du bio ?» Moi, j'ai deux biscuits de petit beurre. Il y en a un qui est bio et qui n'aura pas forcément un bon affichage environnemental et l'autre qui sera un truc hyper industriel mais qui aura un bon affichage environnemental. Est-ce que finalement, on ne va pas perdre des clients là ? Eh bien, je ne suis pas sûr. C'est aussi des choses que les expérimentations vont nous permettre d'évaluer. Mais encore une fois, le consommateur, il ne faut pas le prendre pour plus bête qu'il ne l'est, quoi. C'est-à-dire que le consommateur, s'il achète du bio aujourd'hui, il sait pourquoi il achète du bio. Il ne le fait pas par hasard.
Et donc, il va aussi intégrer d'autres paramètres, mais on intègre tous des centaines de paramètres quand on va faire un choix pour nos courses. Qu'est-ce qu'on veut manger ce soir? Est-ce que c'est un achat plaisir? Est-ce que c'est pour nourrir la famille? Est-ce que combien ça coûte? Est-ce que je prends en compte le local ou pas? Et donc, tous ces paramètres, bien sûr, il faut que le consommateur les intègre. On a une expérimentation d'ailleurs intéressante dans les 20 expérimentations, celle qui est menée par la note globale, qui propose justement une note qui fait du 360 degrés, qui va intégrer le bien-être animal, la production locale, etc. Il faut qu'on regarde tout ça. C'est les résultats d'expérimentation qui vont nous permettre de dire, si je veux être lisible par le consommateur, où est-ce qu'il faut naviguer pour ne pas le tromper et pour l'aider, et sans non plus penser qu'on va le forcer à faire des choses. Et alors, moi, je crois véritablement que cette expérimentation et l'affichage environnemental, compte tenu du fait qu'aujourd'hui le corpus scientifique est suffisamment solide pour prendre en compte, on va dire, les deux éléments que je mentionnais tout à l'heure, hein, l'aspect, les bénéfices positifs du bio sur la biodiversité et les aspects négatifs des pesticides et des résidus de pesticides dans le conventionnel, on est suffisamment prêt aujourd'hui pour avoir un affichage ACV plus indicateur complémentaire qui soit robuste. Comme le disait Fabrice, il faut quand même rester humble et prendre en compte les évolutions de la science. Mais pour autant, moi, mon sentiment, c'est que la France est en avance sur ce sujet-là. L'ADEME, avec Agribalise, avec les travaux qui ont été faits sur l'ACV, avec aujourd'hui cette expérimentation, est en train de tirer tout le monde vers le haut et en train aussi de diffuser et de faire en sorte que cette prise de conscience, elle soit généralisée. Et donc, je vois là quelque chose de vertueux, même si, encore une fois, les choses sont pas parfaites. On est sur un système vertueux où on avance en marchant, on apprend en marchant et on va progresser tous ensemble. Alors moi j'ai deux questions avant de conclure cette séquence. Tout d'abord sur les réseaux sociaux, une question de Claudie qui dit « Vous êtes au quotidien dans la bio, ne serait-il pas nécessaire de créer un comité de consommateurs tiré au sort constitué pour donner leur avis et les écouter ?» Super idée. Super idée. Moi, je crois que, et d'ailleurs, ça fait partie de ce qu'on veut faire dans les travaux d'expérimentation ITAB, SAYARI, VGF, sur lesquels on travaille. Hein. L'aspect consommateur est tout à fait déterminant. Et l'aspect compréhension par le consommateur de l'affichage environnemental d'une part et du label bio d'autre part, c'est quelque chose qui est sur lequel on va travailler dans le cadre de l'expérimentation à court terme et sur lequel on souhaite travailler après également parce que en effet c'est tout à fait essentiel d'avoir le retour terrain en fait. Alors, j'avais dit deux questions, en fait il y en aura une autre aussi, celle de Fabrice à l'instant qui nous dit, est-ce possible de trouver quelque part les expérimentations, la liste des expérimentations en cours, leurs critères pour en prendre connaissance? Fabrice Bossier. Alors on va les afficher. On est en train de préparer les choses. C'est travail en cours, on va dire. Et alors la dernière question, et ça je vous jure que c'est la dernière. Cet affichage environnemental obligatoire ou pas, Anne-Claire Asselin, selon vous? Parce qu'on a vu Nutri-Score pour prendre la référence. Nutri-Score, c'est sur la base du volontariat, ce qui a un peu calmé le jeu d'ailleurs chez les industriels de l'agroalimentaire. Mais est-ce qu'il faut que ce soit sur la base du volontariat ou que ce soit un affichage obligatoire? La difficulté, effectivement, c'est que si c'est optionnel, je suis pas sûre que c'est la même force ou ça peut être parfois contre-productif. C'est ce qu'on a vu sur le Nutri-Score. Donc, effectivement, je suis pas sûre d'avoir une réflexion complètement mûrie sur ce sujet. Je pense que l'ADEME a réfléchi un peu plus que moi là-dessus, mais c'est une bonne question. Fabrice. Moi, traditionnellement, j'aime bien appeler à la responsabilité de tout un chacun. On ne va pas forcer les gens à rentrer en transition écologique comme si on était en dictature. Donc le réglementaire, on a besoin parfois pour faire des garde-fous. Après, le mieux, c'est quand même quand on réussit à susciter une dynamique. C'est ce qu'on essaie de faire là. Et je trouve qu'il y a un momentum qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'un sujet qui était d'abord un sujet d'experts, qui ensuite est devenu polémique à l'automne, là, on voit qu'on est tous en train de rentrer dans une démarche positive pour se dire comment est-ce qu'on va avancer le mieux possible. Si ça permet de créer une dynamique et qu'on réussit à dire voilà le cadre pour faire un affichage environnemental qui garantit que c'est fiable, objectif et qu'on ne trompe pas le consommateur, et que sur cette base-là, on réussit à mobiliser les acteurs de la production, les applis, les consommateurs, et ben allons-y. Voilà. Après, maintenant, si on s'aperçoit que ça va passer vite et qu'on est au bord du gouffre, peut-être qu'il faudra contraindre. Mais pour moi, c'est vraiment la dernière option qu'on doit considérer.
Merci Anne-Claire Asselin, merci Fabrice Boissier d'avoir participé à cette militable ronde. On va poursuivre notre voyage dans le monde de l'affichage environnemental. On va voir, restez avec nous d'ailleurs, on va voir dans quelques instants des exemples concrets, notamment sur certains produits comme les yaourts et les fromages frais. Mais avant cela, on va poursuivre notre petit tour de France de la France bio. Et cette fois-ci, direction la Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez de la terre à l'assiette avec l'Agence Bio. Le bien-être animal, c'est sûr que c'est important parce qu'elle aussi, c'est donnant-donnant. Si la chèvre est bien, elle va produire mieux et produire plus. La matière première, c'est de l'herbe, bien sûr. Puis le fait de sortir, c'est vrai que ça leur fait du bien. Elles sont super contentes de sortir. Ça leur permet aussi de varier un petit peu l'alimentation. À travers le bio, on est dans le vrai, quoi, dans ce que recherche le consommateur. Et puis de permettre aussi à notre agriculture de perdurer, quoi. Il n'y a aucun ajout, nous on traite le lait comme il arrive, c'est du lait frais uniquement et on va ensuite nous intégrer nos propres ferments qu'on fabrique ici sur place de façon traditionnelle et on laisse le temps qu'il est nécessaire nous pour sortir le produit. C'était De la terre à l'assiette avec l'Agence Bio. Alors depuis le début de cette matinale bio, nous avons mesuré les préoccupations environnementales, les attentes des consommateurs dans le choix des aliments. Nous allons essayer de décrypter les différents modes d'affichage environnemental. Et nous allons, pour parler de tous ces dossiers, je vous présente nos invités. Solène Chambard, bonjour. Alors Solène, vous êtes chargée de l'environnement et du développement durable à l'ADEPAL. Alors l'ADEPAL, c'est une fédération des professionnels de l'industrie alimentaire. C'est à peu près 260, 230, 260 adhérents, c'est ça? C'est ça. Voilà. Pierre Slamiche, bonjour. Alors, vous êtes cofondateur d'Open Food Fact. Alors, Open Food Fact, c'est un petit peu, pour faire simple et pour que nos téléspectateurs comprennent, c'est un peu le Wikipédia de l'alimentation? Oui, c'est ça. C'est une base de données collaborative qui rassemble les informations sur tous les produits du monde entier. Sabine Bonneau, vous êtes en duplex avec nous? Est-ce qu'on vous a en ligne? Oui, probablement. Voilà, on vous en ligne. Alors, vous êtes référente du pôle durabilité à l'ITAB, l'Institut technique de l'agriculture bio. Jean-Michel Péard, bonjour Jean-Michel. Bonjour. Alors, vous êtes cofondateur du réseau Invitation à la ferme. Alors, expliquez-nous en quelques mots ce qu'est Invitation à la ferme. Ouais, c'est assez simple. C'est un réseau de paysans bio qui font de la transformation laitière, donc qui produisent du lait de vache, de chèvre ou de brebis et qui le transforment en glace, en ultra frais ou en fromage et qui commercialisent les produits autour de chez eux. Et vous avez votre propre label, votre propre affichage environnemental. On en parlera dans un instant. On fait partie de l'expérimentation d'ADEME, oui. Lisa Follet, bonjour. Bonjour. Alors vous n'êtes pas agricultrice, vous n'êtes pas productrice bio, vous n'êtes pas industrielle de l'agroalimentaire, mais vous avez une lourde tâche dans cette émission parce que vous allez représenter les consommateurs puisque vous êtes responsable du secteur alimentation à la CLCV, donc concerné au plus haut point par tout ce qui va se dire durant cette table ronde et cette émission. Sabine Bonneau, on va commencer avec vous. On l'a vu il y a quelques minutes avec nos précédents invités, il y a de multiples facteurs qui rentrent en ligne de compte et on a l'impression quand même que ça va être très 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 compliqué de trouver un affichage environnemental qui satisfasse tout le monde. J'ai l'impression qu'on va retrouver le débat que l'on a connu il y a quelques années avec Nutri-Score. Je me trompe ou pas? Il y aura forcément de la controverse, comme ça a été évoqué, c'est un sujet qui est extrêmement complexe. Sur les ACV, qui sont au départ une méthodologie qui a été conçue pour l'industrie dans les années 60, on arrive aujourd'hui à avoir des paramétrages qui permettent de refléter des enjeux environnementaux et des impacts. Par contre, sur l'agroalimentaire et notamment sur la partie amont, qui représente l'immense majorité des impacts environnementaux, je rappelle que la partie production, avant que ça ne sorte des fermes, représente 85% de la note finale en ACV. Et bien sûr, cette partie-là, qui est donc liée au vivant, comme l'a très bien expliqué Natacha Sautreau, le vivant a beaucoup de mal à rentrer, même dans le carton à chapeau que vous avez évoqué tout à l'heure. Donc, sur cette partie-là, c'est en effet un enjeu scientifique et un enjeu de discernement pour le consommateur, mais également pour les politiques publiques, qui va être très compliqué à résoudre.
Et on est, comme ça a été évoqué tout à l'heure, dans plusieurs formes paradoxales hein, au niveau des évaluations. Donc, dans le cadre de l'expérimentation que mène l'ITAB avec Sayari et VGF, mais également avec tout un collectif d'acteurs et notamment des ONG et des représentants de la société civile, nous allons avoir à cœur de refléter les impacts qui aujourd'hui ne sont pas reflétés par les ACV. C'est bien la commande hein, de l'expérimentation de l'ADEME et notamment la question de la biodiversité, des pesticides, mais également au-delà de ça, donc les GES, les gaz à effet de serre, qui, on en a beaucoup parlé, semblent attirer une forme de confiance aujourd'hui dans les paramétrages. Or, dans les analyses que nous avons commencé à faire, il y a des enjeux qui sont pour l'instant mal reflétés dans les paramétrages ACV, même sur cet aspect carbone. Et puis également, avec une attention sur la question globale de la transition écologique que veut promouvoir ce dispositif final d'affichage environnemental, et notamment également la question des paysages. Bah, j'ai l'impression quand même, en vous écoutant et en ayant un petit peu regardé ce qui se disait autour de l'affichage environnemental depuis quelques mois, que c'est pratiquement plus simple de faire l'affichage environnemental d'un téléphone portable fabriqué en Corée du Sud que de faire l'empreinte environnementale d'une côte de bœuf. Alors, ça c'est clair. En fait, si on veut quantifier la fabrication, l'impact de la fabrication d'un boulon, d'un frigo ou d'un ordinateur, on est sur des schémas qui sont extrêmement simples. L'agriculture, c'est travailler sur des cycles complexes, sur du vivant. Vraiment, le vivant ne se met pas en boîte, c'est très très compliqué. Et donc, ça a été évoqué d'ailleurs, au final, ce qui manque aujourd'hui en ACV pour l'agriculture et pour l'alimentation devra faire l'objet de choix politiques à la fois dans les indicateurs complémentaires et dans les pondérations des indicateurs complémentaires. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui sera aussi scientifique que possible, mais qui est quand même assez compliqué. Et par rapport à ce qui a été évoqué tout à l'heure, je pense qu'il y a aussi un enjeu qu'il faut avoir bien en tête. On parle de transition écologique urgente. Donc, en gros, quel est le nouvel équilibre qu'il faut qu'on atteigne et comment on se réinvente, ce qu'a dit Monsieur Boissier. Aujourd'hui, on est dans une préoccupation en agriculture biologique qui est quels sont les grands équilibres, quels sont les grands cycles et comment on les respecte, comment on boucle les cycles. Aujourd'hui, ça a été dit au démarrage dans une très jolie vidéo avec beaucoup d'animaux en système extensif. Sans animaux, par exemple, la bio ne peut pas fonctionner, tout simplement parce que nous avons besoin des animaux, notamment dans le cycle d'engrais pour les cultures et pour les fruits, pour les légumes, les céréales. Donc aujourd'hui, on est dans une méthode qui, pour l'instant, a pour résultat de discréditer en grande partie tous les systèmes herbagers qui sont extrêmement mal notés. Et plus un animal consomme de l'espace, donc plus il a en plus de bien-être animal, et plus il sera mal noté aujourd'hui dans cette méthode. Donc c'est pour nous aussi un des enjeux importants, comment on arrive à remettre au centre la globalité des cycles, et notamment la contribution de l'élevage dans les cycles de production. Alors Pierre Samich, comment vous y prenez-vous pour avoir toutes les informations? Parce qu'on le voit, il y a des multiples critères qui rentrent en ligne de compte. Expliquez-moi comment ça fonctionne chez vous, à Open Food Fact. Alors, du coup, Open Food Fact fait partie du consortium EcoScore. Et donc, l'EcoScore prend en compte un certain nombre de paramètres, donc notamment effectivement les données de l'ADEME, les analyses de cycle de vie, d'une part, l'origine des ingrédients, la recyclabilité de l'emballage, ainsi que le mode de production. Donc, par exemple, il y a des points positifs pour le bio dans l'EcoScore. Et du coup, on collecte ces données de plusieurs manières. Donc, d'abord, des contributions citoyennes, des gens qui vont nous envoyer des photos des emballages très complètes. Ah, donc les gens dans les magasins qui font des photos, c'est pour vous alors ? C'est pour ce bien commun qu'est Open Food Fact. C'est collectivement, on peut rassembler de l'information sur les produits. Et puis, on a en plus de ça une plateforme gratuite pour les producteurs qui est soutenue par Santé Publique France et qui permet aux producteurs de nous envoyer en direct les informations les plus complètes sur leurs produits. Et donc, du coup, l'EcoScore pose beaucoup de questions et des producteurs ont commencé à nous envoyer ces données en direct via notre plateforme. Lisa, ça vous arrive avec votre téléphone portable de faire des photos d'emballage dans les magasins et de les envoyer à Open Food Fact ? Oui, ça m'arrive, parce que je trouve que c'est intéressant justement de participer aussi à la construction des informations et puis d'avoir un esprit un peu collaboratif comme ça, donc oui. Alors, depuis le début de cette matinale, nous avons, comme on dit, des professionnels de la profession. Avec vous, on va parler des consommateurs. Ils attendent quoi aujourd'hui, les consommateurs ? Quand je dis « ils attendent quoi », comme si c'était une entité abstraite et à part, nous, consommateurs, nous attendons quoi ? Oui, oui. Eh ben, je pense qu'aujourd'hui, on est tous conscients qu'on a un rôle à jouer justement dans la transition écologique par les choix qu'on fait, et notamment dans notre alimentation. Malheureusement, aujourd'hui, il y a
un manque d'information justement sur l'impact environnemental des produits alimentaires. Et donc je pense qu'il y a une forte attente des consommateurs d'avoir un affichage environnemental qui prend en compte les critères qui sont importants pour lui, c'est-à-dire bah, évidemment tout l'impact de tout le cycle de vie du produit, mais aussi l'origine des ingrédients, mais aussi le côté local. Il y a aussi la recyclabilité des emballages. Les consommateurs cherchent à réduire de plus en plus quand même les déchets, les emballages. Et puis, il y a d'autres critères qui peuvent aussi être pris en compte, comme qui dépassent un petit peu peut-être de l'affichage environnemental pur, mais qui sont importants pour le consommateur aujourd'hui, comme le bien-être animal, on l'a évoqué aussi tout à l'heure, ou encore le côté plutôt social avec la rémunération juste des producteurs. Donc, tout ça, c'est des critères qui sont importants pour le consommateur et aujourd'hui qui ne sont pas forcément transparents et l'information manque pour faire des choix éclairés. Alors, si on n'a pas ces informations, c'est la faute à qui ? C'est la faute aux industriels, Solène Chambard, qui ne veulent pas nous donner les informations, qui ne veulent pas nous révéler les secrets de fabrication ? Alors, il y a énormément d'informations et de données qui doivent être mises à disposition pour aller jusqu'à un affichage environnemental au consommateur. Alors, la base de données Agribalise a déjà permis de récolter énormément d'informations et de données. Nous, dans le cadre de notre expérimentation, on regarde ce qu'il y a dans cette base de données Agribalise et on confronte aux données des entreprises pour préciser un peu la donnée et les informations pour qu'elles soient le plus fiables possible. Et ensuite, on va aussi regarder quels sont les indicateurs complémentaires qui peuvent être mises en œuvre, et notamment la biodiversité, tout comme c'est le cas un peu dans le sujet agriculture biologique. La biodiversité, aujourd'hui, on ne sait pas encore bien l'évaluer. On a des informations qualitatives, mais on doit pouvoir aussi avoir des données plutôt quantitatives pour intégrer sur un affichage environnemental ces informations-là. Et alors, dans votre expérimentation, c'est quoi ? C'est des entreprises qui font des produits bio ou pas que ? Pas que, en fait, on a un peu de tout. On a des entreprises spécialisées dans le bio, on a des entreprises qui font des produits conventionnels et des entreprises qui font les deux. Alors, Monsieur Péard, vous, l'affichage environnemental, bah, vous n'avez pas attendu que tout le monde tourne autour d'une table pour essayer de définir un affichage. Vous avez créé votre propre affichage. Expliquez-moi ça. Bon, en fait, on participe à tout ce qui est toutes les démarches qui sont mises en place dans le cadre du dispositif d'expérimentation de l'ADEME. Et bon, comme on aime les choses simples, on s'est juste concentré sur le carbone. Donc, en fait, on a mis en place ce qu'on appelle l'Ecoloscore, qui est un outil qui combine à la fois des outils déjà existants. Donc, sur la production laitière, l'Institut de l'élevage avait mis en place le CAP2R. Donc, on a pris le CAP2R et il nous manquait une brique. Parce que sur nos fermes, en fait, on produit notre lait et on le transforme. Et la partie transformation, on ne l'avait pas. Donc, on a développé un outil pour pouvoir avoir justement l'empreinte carbone sur la partie transfo. Et en additionnant les deux, ça nous donne les kilos de carbone par litre de yaourt produit ou kilo de fromage ou kilo de glace. Et ça se traduit comment ? Vous avez devant vous des emballages, vous allez peut-être nous les montrer. Ouais, je sais pas trop comment ça passe à l'écran. Donc en fait, c'est tout simple. Hein. On a mis un pied. On s'est dit que c'était quand même le plus simple pour. Donc il y a un pied orange, un pied vert. Alors, voilà, pour ça. Illustrer l'empreinte carbone. Donc il y a deux pieds. Il y a un pied qui est le pied qui correspond, donc le pied vert, à l'empreinte carbone calculée pour chacune des fermes sur du yaourt nature. On n'a pris qu'un seul produit. Et puis le pied orange qui correspond aux données qui sortent de la base Agribalise. Alors, Lisa, votre sentiment là-dessus ? C'est bien ou c'est un coup de pub d'invitation à la ferme ? Ben non, mais c'est c'est intéressant, comme d'ailleurs toutes les autres démarches qui sont présentées, comme l'Ecoscore ou la démarche de la DEPAL. Mais c'est vrai que nous, ce qui est dommage de notre point de vue, c'est qu'il y a. Il y a beaucoup de démarches différentes qui ont toutes leurs points forts et leurs spécificités et qui sont intéressantes pour le consommateur. Le problème aujourd'hui, c'est que l'objectif pour le consommateur, c'est de pouvoir comparer tous les produits d'une même catégorie en fait entre eux, de pouvoir choisir entre un jus de pomme par exemple qui est issu de l'agriculture biologique ou d'un mode de production plus durable avec des pommes origine France par exemple, et de pouvoir faire son choix par rapport à un jus de pomme à côté qui sera fait avec des pommes du monde entier, qui aura un emballage peut-être moins vertueux d'un point de vue environnemental, etc. Et donc on parlait tout à l'heure du fait que de se poser la question si ça devait être obligatoire ou pas. Moi je pense que le problème, si ce n'est pas obligatoire et s'il y a plusieurs logos différents,
c'est que le consommateur, il va complètement s'y perdre. Et le but, c'est que vraiment le score, cet affichage environnemental, si c'est un score, soit unique et soit présent sur l'ensemble des produits d'une même catégorie. Oui, Pierre Slamy, je voyais acquiescer. C'est vrai que c'est, comparer, c'est le point principal pour les consommateurs. Oui, on est parfaitement en ligne, le consortium EcoScore est parfaitement en ligne là-dessus. C'est cet effet, c'est ce qu'on voit avec le Nutri-Score dans les rayons. Maintenant, on peut vraiment comparer les rayons, on n'a même plus besoin de dégainer son application mobile pour pouvoir choisir son plat préparé, on peut le choisir grâce au Nutri-Score. Il a fallu 5 ans quand même pour y arriver. Voilà, mais on espère que ça va aller plus vite sur l'affichage environnemental, mais il faut cet effet de massification, il faut que tous les produits aient un affichage environnemental pour qu'on puisse vraiment au sein d'une catégorie de produits pouvoir choisir le plus vertueux et aussi réorienter, peut-être réduire par exemple les quantités de viande qu'on consomme, de viande rouge, etc., pour pouvoir réduire à titre personnel son impact sur l'environnement. Nous, on espère avoir un double impact. C'est à la fois un impact sur les comportements, il y a une vertu pédagogique pour l'EcoScore, mais on espère aussi que ça va provoquer un deuxième impact plus systémique avec plein d'efforts de la part des producteurs pour améliorer les vertus écologiques de leurs produits. Alors justement, vous parliez de viande, ça tombe bien, parce que moi j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait sur les différents sites, les différentes expérimentations, et alors là, Solène, il y a quelque chose qui m'a sidéré, d'ailleurs, avec une marque qui est, je crois, chez vous, un Danival en l'occurrence, qui fait des plats cuisinés, qui fait notamment des raviolis. Et alors, les mêmes raviolis avec des légumes à l'intérieur sont très très bien notés. Mais ils ont vraiment des scores absolument incroyables en termes de retombées environnementales. En revanche, les mêmes raviolis traditionnels, vous savez, où il y a un petit peu de viande dedans, ils ont une note catastrophique. Alors c'est quoi? Vous êtes en train de faire quoi? De nous, mine de rien, de nous faire devenir tous végétariens? Alors, ça tombe bien que vous preniez cet exemple parce que on a justement le produit ravioli dans le cadre de notre expérimentation. Et ça provient très probablement aussi de la base de données Agribalise. Nous, on a regardé les données qu'il y a sur cette base de données et on s'est rendu compte que parfois, en fait, au niveau de la recette, il y avait quand même des choses à affiner. Là, en l'occurrence, c'était effectivement le pourcentage de viande dans le ravioli, dans la base de données Agribalise, qui se base d'ailleurs sur des informations nutritionnelles de Sequal. On se rendait compte que la recette n'était pas tout à fait exacte et que le pourcentage de viande était beaucoup plus important, ce qui avait un gros impact sur la note. Donc effectivement, on a aussi cette part du travail, nous, de regarder quelles sont les données qu'il y a dans cette base de données Agribalise et de la confronter avec la réalité du terrain. Et est-ce que ça correspond vraiment à la recette? Est-ce que ça correspond vraiment au mode de transport de l'entreprise? Et donc, effectivement, en affinant, on se rend compte que ça peut faire varier la note finale. Ouais, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire que qu'Agribalise, finalement, bon, c'est bien, ça existe, mais que ce n'est pas l'alpha et l'oméga pour un futur affichage environnemental? Alors, la base de données Agribalise, elle a permis beaucoup d'avancées en matière d'informations environnementales et d'ACV sur les produits alimentaires. Mais effectivement, on se rend compte qu'on a quand même besoin d'affiner ces données, de les rendre plus robustes et plus fiables, plus à l'image aussi de ce qui se fait vraiment sur le terrain. Donc, c'est une part de notre travail qui porte aussi sur vraiment le retravail des données Agribalise. Dans l'idéal, il faudrait même aller jusqu'aux informations spécifiques des entreprises pour vraiment pouvoir démarquer, par exemple, si une entreprise fait des efforts pour réduire son impact carbone. Aujourd'hui, ça ne peut pas se retranscrire dans la base de données Agribalise puisqu'on est sur une information moyenne. Donc le consommateur, s'il a un produit dans les mains, aujourd'hui, ben voilà, il aura un produit qui serait noté sur une base moyenne de tous les produits du même secteur, mais pas de la donnée propre de l'entreprise. Jean-Michel Pierre, vous n'êtes pas un petit peu angoissé en ce moment? Parce que là, vous avez votre propre label, votre propre logo. Mais si on applique quelque chose au niveau national, notamment qui prendra en compte Agribalise et d'autres, bah vous allez peut-être vous retrouver mal noté et qu'un yaourt venant de votre ferme sera moins bien noté qu'un yaourt fait avec du lait d'une grande ferme industrielle du fin fond des États-Unis. Bah, visiblement, en tout cas, quand on prend le référentiel Agribalise, c'est pas le cas en ce qui concerne la production bio. On est plutôt meilleur, en sachant qu'en plus, on a quand même un point qui est pas pris en compte sur la partie Agribalise, qui est la compensation carbone. C'est-à-dire que sur nos fermes, on a forcément beaucoup de haies, beaucoup de prairies permanentes qui captent du carbone. Et jusqu'à maintenant, avec ce référentiel-là, c'est pas comptabilisé.
Et c'est vrai que c'est important, pour rebondir sur ce qui s'est dit précédemment, c'est important aussi que demain, ces facteurs-là, le fait qu'il y ait des haies, qu'il y ait des prairies permanentes, qui influent fortement sur la biodiversité. Je lisais un article de la LPO qui disait qu'il y avait 50% de la population des oiseaux qui avait disparu entre 2006 et 2017. C'est pas neutre. Ça veut dire que il faut qu'on soit capable de continuer, à la fois pour stocker du carbone et puis aussi pour maintenir cette biodiversité, prendre en compte dans le futur outil. Alors nous, on voulait démarrer. On avait besoin d'un référentiel au niveau de notre réseau et on voulait se poser des questions. Et ça nous a permis au moins de mettre cet indicateur-là en place et de regarder comment il était décomposé, quels étaient les facteurs qui font qu'on émet un peu plus de carbone ou moins. Et c'est un premier outil de travail. Après, si on n'est pas bon, on se remettra en question, on s'améliorera. Je pense que les enjeux, ils sont au-delà des ventes de yaourts. Ils sont, c'est le bien commun. Donc peu importe. Peu importe le résultat que nous, on pourra avoir personnellement, en tout cas, on mettra tous les moyens qu'on peut sur la table pour pouvoir progresser. Sabine Bonneau, vous vouliez réagir? Ce qui vient d'être dit, là, les deux dernières interventions sont vraiment très intéressantes parce qu'on voit là des opérateurs de l'agroalimentaire qui cherchent des voies d'amélioration, en fait, de leur score. Donc, au-delà de l'affichage, qui n'est pas un processus figé, qui va être un processus dynamique, c'est bien quelles sont les améliorations que les acteurs vont engager pour améliorer leur score. Et c'est vrai que l'affichage soit volontaire ou pas, d'ailleurs, on est clair qu'avec notamment le développement des applis, en toute logique, en fait, tout le monde pourra s'informer sur ce qu'il y a comme impact pour les produits. Et c'est une très bonne chose. Il faut être clair aussi que sur la partie socle de cet affichage environnemental, qui, de par la loi, le socle, c'est l'ACV et donc, a priori, la base de données agribalistes de l'État. Aujourd'hui, les opérateurs qui veulent s'engager dans des voies d'amélioration n'ont pas forcément des voies d'amélioration aisées, donc ce qu'on appelle l'éco-conception. Par exemple, une ferme laitière qui voudrait augmenter sa consommation d'herbe pour les vaches ou pour les brebis aurait un score qui ne s'améliore pas, au contraire, qui se dégrade. Sur la question des emballages, idem, si on n'écoute que les ACV, le plastique vierge, donc vraiment l'énergie fossile juste extraite, le plastique vierge est le meilleur emballage par rapport notamment, par exemple, à du carton ou des choses plus recyclables. Idem sur les circuits courts, et c'est vrai que c'est un enjeu très important, le caractère local, le fait que les transports soient les plus courts possibles. Malheureusement, aujourd'hui, en ACV, c'est quelque chose qu'il va falloir traiter hors la base de données parce que les impacts sont absolument minimes et ne permettront pas d'orienter les choix vers de la consommation locale et vers des initiatives telles que celle qui vient d'être montrée. Par ailleurs, sur la question notamment de la viande, qui est un peu un enjeu central, en fait, hein, dans toute cette affaire, sur le bouclage des cycles, sur les paysages, sur la biodiversité, sur le stockage de carbone, il y a quand même tout un tas d'enjeux qui sont reliés à l'existence d'un élevage au sein de la production agricole. Aujourd'hui, il faut voir à quel scénario de transition pousse la base agribalise et les ACV. Si on en croit ce type d'outils, et c'est pour ça qu'il faut absolument avoir des indicateurs complémentaires pour corriger ça, le seul élevage qui devrait rester, qui a les meilleures notes, c'est le poulet industriel et le cochon industriel. Donc pas de plein air, pas de bien-être animal, pas de prairies. S'il n'y a pas de ruminants, la viande rouge, ce ne sont que des ruminants, notamment vaches et encore pire, agneaux. Agneaux a des notes absolument catastrophiques. Ces bestioles-là ne vivent que sur des espaces herbagés qui ne peuvent pas porter d'autres cultures. Si vous voulez enlever la viande rouge, vous enlevez également tous les paysages et toutes les aménités environnementales qui sont liées à ces systèmes herbagés. Donc il y a vraiment une réflexion à avoir sur l'orientation des choix des consommateurs et l'orientation des politiques publiques. Quel est l'affichage environnemental final et qu'est-ce qu'il dira de ce qui reste, de ce qui doit rester comme consommation de viande et donc comme système d'élevage derrière? Oui, alors Jean-Michel Péard, on va revenir aussi sur ce que disait Sabine il y a quelques instants. Vous, sur les pots de yaourt qu'on a devant vous, là, vous avez pris en compte le carton, l'encre sur les cartons, les pots, les opercules, etc. Oui, tout à fait. Ouais. On est parti en fait de l'herbe jusqu'au yaourt. Donc on a pris en compte déjà la partie production du lait. Donc c'est quand même pas neutre puisque c'est 50% grosso modo de l'empreinte carbone. Et puis après, effectivement, les emballages, donc les pots qui viennent d'Angers, on les a affectés, le carton qui est fabriqué en Charente, enfin ainsi de suite.
Alors, tout à l'heure, Lisa, dans le précédent plateau, nous avions quelqu'un qui nous disait, mais est-ce qu'il ne serait pas intéressant dans toutes ces expérimentations, dans toutes dans tous ces travaux préparatoires pour un futur label environnemental, d'associer les consommateurs? Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que vous êtes associé à ce genre de démarche, ou est-ce que vous êtes des observateurs depuis vos bureaux à la CLCV ou chez vos confrères de UFC? Alors, on ne peut pas dire qu'on n'est pas du tout associé, parce qu'on sait qu'il y a une expérimentation dans le cadre de la loi, etc. Après, il y a des démarches qui sont aussi initiées par des acteurs privés. Donc ça, forcément, on n'est pas du tout associé à ces démarches-là. Et je pense que oui, c'est très important que les consommateurs soient écoutés, puisque l'affichage, il est quand même à destination des consommateurs. Donc évidemment que ça me paraît essentiel qu'ils participent à la construction de cet étiquetage. Et il y a vraiment une notion qui est importante, c'est la compréhension aussi qu'il aura et comment il l'utilisera pour faire ses choix. Et il ne faut pas qu'il y ait, comme par exemple ça a pu être le cas avec le Nutri-Score, des fausses informations qui circulent autour de ça. Donc je pense qu'il y aura besoin aussi de beaucoup de communication et d'accompagnement des consommateurs sur l'affichage qui sera retenu, comment il a été construit, qu'il y ait une transparence totale dessus, et l'accompagner aussi dans l'utilisation de cet affichage. Quand on parle justement de la fiabilité des informations, Pierre Slamiche, je vous comparais tout à l'heure à Wikipédia. On a vu que sur Wikipédia, notamment, il y a des exemples célèbres d'un professeur de philosophie qui avait créé un faux philosophe. Et tous les élèves avaient plongé et avaient tous fait du copier-coller pour prendre des citations de ce philosophe qui n'avait jamais existé. Comment vous prémunissez-vous des fausses informations, parce que on sait que l'univers, par exemple, des industriels est un univers sans pitié, donc on peut vous balancer des fausses infos nutritionnelles ou environnementales sur tel ou tel produit. Comment vous vérifiez ? Alors déjà, sur Wikipédia, des études ont montré qu'il y avait un taux de fiabilité qui était absolument impressionnant, comparable à celui de l'Encyclopédie Universalis. Sur Open Food Fact, on a la chance d'avoir... L'Encyclopédie Universalis de l'alimentation ? Alors, sur Open Food Fact, on a la chance d'avoir des sujets quand même beaucoup plus vérifiables, beaucoup moins polémiques, au sens où c'est pas de la géopolitique. On a des informations qui sont présentes sur les emballages, que l'on retranscrit. Et après, par exemple, le tableau nutritionnel, on va le retranscrire et on calcule le Nutri-Score à partir du tableau nutritionnel. Donc toutes les informations sont vérifiables et on n'a pas eu de problème de vandalisme particulier. Et on a en plus, comme je le disais tout à l'heure, toute cette démarche de fiabilisation avec de la donnée qui vient directement des producteurs pour compléter cet effort citoyen. Solène Chombard, on va parler un petit peu de ce que vous représentez, des industriels. Pour bien connaître ce secteur, on sait que généralement, quand on parle de concurrence, tout le monde est d'accord. Ça fait toujours un peu de bien de taper sur ses petits camarades. Dès qu'on commence à parler des secrets de fabrication, ça devient un peu plus compliqué d'avoir les informations. Et alors, dès qu'on attaque tout ce qui est du niveau de la RSE, de la responsabilité sociale des entreprises, alors là, c'est silence radio. Pourtant, toutes les données sur comment sont traités les salariés dans les entreprises, ça peut être aussi des données importantes pour mesurer un peu l'éco-score. Est-ce que ces données-là, on va les avoir sur le bien-être des salariés dans les entreprises, par exemple dans les entreprises qui fabriquent des yaourts ou des raviolis en boîte? Alors c'est vrai que nous, en tout cas sur le sujet de l'affichage environnemental, on souhaite vraiment se focaliser sur l'impact environnemental du produit, et donc on ne prend pas en compte tout ce qui est plutôt social. Sabine Bonneau. C'est vraiment une très bonne question. Il y a la question également du bien-être des producteurs, qui ne sont pas forcément la catégorie socio-professionnelle la plus à l'aise actuellement. Voilà. Donc cette question d'enjeu social, elle est sur la table, mais il nous a clairement été dit dans le cadre de l'expérimentation que ça ne rentrait pas dans les critères qui étaient recevables. Donc certains expérimentateurs vont quand même essayer d'apporter un peu d'éclairage sur ce sujet. C'est le même enjeu d'ailleurs sur la question du bien-être animal, dont on nous a dit qu'elle ne faisait pas partie des critères qui seraient considérés comme environnementaux, bien que d'ailleurs la Commission européenne, dans la politique agricole commune, les cadrages qui ont été envoyés en début d'année, considère le bien-être animal comme l'un des 7 axes de la politique environnementale de l'Europe. Donc quand même, je pense que la question là-dessus se pose, et que multiplier les types d'affichage et prévoir encore un nouvel affichage spécifiquement pour le bien-être animal, ça risque de rendre les choses assez compliquées. Et en tout état de cause, un des enjeux pour nous, c'est que cet affichage environnemental puisse avoir une forme de convergence, donc quelque chose de non paradoxal, avec notamment la question du bien-être animal, même s'il ne peut pas être affiché tel quel dans ce que l'État va retenir. Je reviens également sur les deux choses qui ont été dites préalablement, sur la question
des coûts. C'est-à-dire que là, on a des entreprises qui, en effet, ça va être le sens de l'histoire, vont travailler pour trouver des voies d'amélioration et améliorer leur score. Il faut être clair que les dispositifs d'affichage qui vont être élaborés devront, à notre sens, dans l'expérimentation qu'on porte, donner comme résultat des outils qui soient très facilement appropriables par les acteurs. L'agroalimentaire, ce sont majoritairement des TPE-PME qui n'ont pas de gros moyens. Et il faut être clair qu'aujourd'hui, quand on veut faire ses propres calculs, c'est très souvent entre 1 000 et 10 000 euros par produit dans une gamme. Donc, ça n'est pas accessible à la plupart des opérateurs. Et il faut être très vigilant sur la manière dont ce dispositif va pouvoir être mis en place de manière opérationnelle peu coûteuse pour que les opérateurs puissent réellement s'en saisir. Là-dessus, nous, on a vraiment un très gros point de vigilance. On est, nous, sur des bases de données professionnelles. On a les licences professionnelles. On sait que ça coûte cher. Les accompagnements par des bureaux d'études coûtent cher également. Donc, il faut vraiment faire très attention à ça. Le dernier point, c'est qu'il faut également, nous, c'est une préoccupation majeure, que tous les enjeux soient bien reflétés dans l'affichage final, et notamment puisque le focus carbone prend vraiment beaucoup d'ampleur, faire très attention, et ça, c'est quand même la normalisation européenne qui dit ça, l'enjeu carbone ne doit pas écraser les autres enjeux environnementaux. On peut être très bon et d'ailleurs vouloir améliorer sa note sur le carbone, et ça pousse à l'intensification des pratiques pour information. Et être très mauvais, donc avoir des transferts d'impact sur les autres segments. Donc là-dessus, vraiment, pour nous, c'est un très grand point de vigilance. La partie carbone ne doit pas écraser le reste. Alors, vous êtes nombreux à poser les questions. On va les prendre dans un instant. Jean-Michel Perrin, on va parler argent. Ça a été un budget de combien pour lancer cet affichage environnemental sur vos yaourts, hein? Bah effectivement, il y a un coût qui n'est pas neutre. Nous, c'est un budget d'à peu près 60 000 euros qu'on a pu financer grâce à l'aide de l'ADEME. Et puis une autre qu'on a financée à l'échelle du réseau. Alors effectivement, nous sommes 40 fermes. Donc si 40 agriculteurs qui mettent la main au portefeuille, c'est voilà, ça? Voilà, si j'avais été tout seul à vouloir le mettre en œuvre, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Donc l'union fait la force. Et c'est vrai que c'est un projet qui est structurant pour nous, parce que c'est vrai que des indicateurs économiques en production laitière, c'est pas ça qui manque. Des indicateurs donc carbone, il y en a un qui est CAP2R. Et pour pouvoir aller au bout du bout, il nous fallait quand même avoir notre propre outil et pour pouvoir aussi se poser des questions sur notre modèle, puisqu'aujourd'hui, nous, on a fait le pari de dire on transforme le lait de notre ferme sur notre ferme, on le commercialise autour de chez nous. Et on a le sentiment que c'est bien, que c'est plutôt dans la logique bio. Mais on n'avait pas forcément les indicateurs pour nous dire si on était dans le vrai, s'il y avait des choses à améliorer et quel point. C'est une première étape qui nous permet justement de nous benchmarker par rapport à ce qui existe sur le marché, puisqu'aujourd'hui, plus de 95% des produits sont des produits industriels dans l'univers laitier. Et je pense que demain, il faudra faire évoluer ça de manière un peu plus homogène, on va dire, sur le territoire. Alors c'est vrai qu'on a vu un budget relativement modeste pour les agriculteurs d'invitation à la ferme. Solène Chambard, je pense que pour des entreprises un peu plus importantes. Juste pour rebondir, on va le mettre à disposition de tous les collègues. L'outil qu'on a développé en fait sera à disposition en ligne, gratuitement. Ah bah il va vous faire de la concurrence, Pierre Slamiche, alors finalement là. L'avantage de l'EcoScore, en fait, c'est qu'on le calcule déjà sur plus de 240 000 produits. Donc, en fait, c'est la quasi-totalité des produits qui sont référencés. Il y a, au final, très peu d'informations à fournir, même pour des TPE, des PME. Et on a cette plateforme producteur qui est gratuite aussi. Donc l'avantage, c'est ce travail impressionnant de l'ADEME, justement, de calculer ces ACV qui sont effectivement chers hein, pour des TPE, PME, de les avoir calculés sur autant de catégories, ce qui nous permet du coup d'afficher des éco-scores, même sur les entreprises qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un ACV personnalisé. Solène Chambard, effectivement, les industriels et les TPE, PME qui sont adhérentes de la DEPAL vont devoir là, clairement mettre la main au portefeuille et pour elles, ça risque de coûter un peu plus cher quand même. Là, c'est déjà le cas. Nous, dans le cadre de l'expérimentation, on est effectivement sur un budget un peu plus élevé, mais assez similaire à celui de l'invitation à la ferme. C'est beaucoup des PME qui sont adhérents chez nous. Et donc là, on a pu mutualiser aussi, parce que on est un collectif de plusieurs syndicats, donc on a pu mettre en commun nos ressources pour faire ce projet. Mais à l'échelle d'une PME toute seule, c'est effectivement un gros budget de pouvoir mettre en place une expérimentation sur l'affichage environnemental. Alors là, il y a de très nombreuses questions. Je vois par exemple une question de Yves. Ne faudrait-il pas travailler par filière pour une évaluation
plus pragmatique, plus pour filières, plus pour les filières de produits, par exemple, pour vous, Jean-Michel ? Ouais, je suis d'accord avec Yves. Ouais. Je pense qu'à un moment donné, on a aussi des contraintes, des données qui ne sont pas forcément les mêmes en fonction des filières, et puis des enjeux aussi derrière, parce que c'est bien d'avoir des indicateurs. Après, faut-il encore être capable de les commenter et de prendre les bonnes décisions derrière ? Et des fois, on se rend compte que, il n'y a pas forcément d'évidence là tout de suite maintenant. Est-ce qu'il faut replanter, 20% de haies en plus, faire de l'agroforesterie dans des parcelles de 10 hectares qui étaient dédiées uniquement à des céréales ou à du pâturage. Enfin, il y a des choix qui sont pas neutres. Hein. Et plus on est nombreux à décider et à phosphorer, plus on a des chances de faire les bons choix. Alors, une question de Marion. Selon les experts, sous quel délai pourrait-on avoir le nouvel outil incluant tous les indicateurs, analyse cycle de vie, biodiversité, stockage carbone, résidus de pesticides ? Pierre Slamiche. Alors, moi, je peux parler pour l'Agribalise et pour l'Ecoscore. Donc, Agribalise, il faut savoir que ce n'est pas uniquement le carbone. Ça prend aussi 14 autres indicateurs, par exemple l'eutrophisation, etc. Et sur l'Ecoscore, il est disponible gratuitement pour tous dès maintenant. Donc c'est voilà ça et qui prend en compte des choses comme la biodiversité. On prend par exemple en compte le label bio, on prend en compte l'origine des ingrédients. Donc on a une solution qui est transparente, dont la méthodologie est transparente et qui est totalement gratuite, qu'on met à disposition en tout cas de tous. Et une question de Catherine aussi, est-ce que vous prenez en compte les différents modes de distribution ? Parce que c'est clair que distribuer dans une grande surface ou chez des petits commerçants indépendants ou dans les fermes ou ailleurs, ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, les modes de distribution, en fait, ça impliquerait d'avoir des données personnelles sur les utilisateurs, ce qui est un peu embêtant. C'est-à-dire que très, très concrètement, même au sein de la grande distribution, par exemple, une glace qui est vendue à Paris ou qui est vendue dans un petit village de l'Aveyron, il y a des questions de transport, le dernier kilomètre jusqu'au consommateur final, qui sont difficiles à appréhender, quel que soit le système. Après, nous, on milite en faveur des circuits courts et des fruits et légumes de saison, typiquement, qui ont un impact environnemental moins élevé que tout ce qui est cultivé sous serre ou qui est hors saison. Lisa, c'est pas un problème, ça, justement, parce qu'on va avoir de la transparence, surtout de la fourche à la fourchette, sauf qu'il y a un petit endroit où il n'y aura pas de transparence, c'est entre le moment où il arrivera de l'usine, par exemple, ou de la ferme de Jean-Michel Péard, et le moment où on l'aura dans l'assiette. La partie distribution, ça, on ne doit pas savoir. On ne doit pas savoir si c'est des camions qui ont traversé toute la France, si c'est arrivé dans le centre de Paris par des péniches, ce qui se fait maintenant. C'est un problème, non ? Mais je pense que le transport, c'est un des critères qui doit être pris en compte dans le calcul de ce score, de cet affichage environnemental, et qui doit évidemment être reflété par le score. Donc la distribution joue le jeu, hein. C'est indispensable. Bah, c'est un des critères, je pense, parmi tous les autres qui doivent être pris en compte aussi dans le calcul, le transport, évidemment. Après, le transport est une part assez faible. Au final, il est inclus, il est pris en compte dans Agribalise. Ça reste une part assez faible de l'impact carbone des produits. Et le dernier kilomètre est une part encore plus faible. On a déjà une très bonne idée de l'impact environnemental des produits. Et effectivement, si on peut décarboner le dernier kilomètre, c'est encore mieux. Sabine Bonneau. Cette question des transports, elle est déjà incluse dans Agribalise, en ACV. Malheureusement, ce que ça dit, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que le transport en impact réel environnemental, ça, pour le coup, c'est facile à quantifier, contrairement aux enjeux qui sont liés au vivant. Là, on est sur des transports, donc des flux assez simples. Les transports, si on le prend brutalement tel que ça sort des analyses, donc ne pèse pas, il pèse quelques pourcentages simplement du score ACV d'Agribalise. Donc en fait, et c'est pour ça qu'un des enjeux, c'est aussi si on a une volonté politique de souveraineté alimentaire, on doit faire en sorte, via des indicateurs complémentaires, que cette question du transport soit surpondérée. Mais dans ces cas-là, et c'est d'ailleurs ce que fait le collectif d'Open Food Facts, c'est surpondéré par rapport à la réalité. Aujourd'hui, quand on est sur de la distribution très locale, on n'est pas forcément meilleur, on est souvent moins bon que des transports massifiés par camion ou par cargo de l'autre bout du monde. Donc là-dessus, grande attention. Et par rapport à ce qu'on disait également tout à l'heure sur l'analyse de cycle de vie, qui est le socle de cet affichage en éco-conception par les opérateurs, nous on le voit aujourd'hui puisqu'on est en contact avec des acteurs de l'agroalimentaire qui travaillent sur cette base pour améliorer leurs pratiques et donc leur futur score, c'est qu'aujourd'hui, en tous les cas, sur les systèmes
biologiques et les systèmes extensifs, on se retrouve dans des paradoxes et même des impasses d'éco-conception, avec notamment des recommandations des personnes et des structures qui accompagnent les entreprises, qui sont du niveau de est-ce qu'on pourrait juste augmenter le rendement ? Donc, pas vraiment dans le sens de quelque chose de plus environnemental. Et je rappelle quand même que l'INRAE, qui a travaillé là-dessus, a publié l'an dernier une étude qui explique que l'ACV, je vous le cite, hein, évalue les systèmes agroécologiques de manière inadéquate. Donc, on a vraiment un très grand enjeu de ne pas prendre la base agribalise telle qu'elle est aujourd'hui et d'arriver à pousser l'étude même des ACV, des paramétrages et du moteur des ACV pour améliorer la façon dont les choses sont calculées. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez vu tout à l'heure, tout un tas d'enjeux ne sont pas dedans et notamment l'éléphant au milieu de la pièce, ce sont clairement les pesticides qui comptent pour entre 1 pour 1000 et 1 % du score final. Donc ça n'est pas possible en alimentation et en agriculture. Alors on va continuer des questions. Une question pour vous, Solène Chambard. La représentante de l'ADEPAL peut-elle préciser le pourcentage ou nombre d'entreprises bio parmi ses 260 adhérents ? Alors, j'ai pas le chiffre en tête. Non, j'ai pas le chiffre. Mais on sent quand même qu'il y a quand même, c'est un secteur qui commence à rentrer. Parce qu'on avait tendance à une certaine époque à présenter l'ADEPAL un peu comme le grand Satan, c'était les représentants de l'industrie et que de l'industrie. C'est plus tout à fait le cas. On parlait d'Anival tout à l'heure. Oui, en fait, il y a des entreprises qui font que du bio et qui sont adhérents chez nous parce qu'ils sont adhérents par rapport aux produits et à la filière. Et on a beaucoup d'entreprises et même de plus en plus qui font les deux. Ça devient le bio aujourd'hui, c'est un marché quasi indispensable. Et donc, il y a une très grande majorité des entreprises qui ont aussi une gamme de produits bio. Alors, Jean-Michel Péard, question qui est indirectement pour vous. Est-ce qu'on peut arriver, c'est une question de Claudie, à supprimer l'emballage parce qu'il y a aussi des enjeux environnementaux avec les emballages, même si on a des emballages recyclables. En ce moment, on n'arrête pas de nous dire que la solution, c'est le vrac. Alors en ce moment, on voit tous les gens avec leur sac en papier mettre leurs bananes séchées ou leurs amandes dans des sacs en papier. Est-ce qu'un jour, on pourra imaginer du yaourt en vrac ? C'est déjà le cas, hein. C'est même pas de l'imagination, hein. C'est la réalité. Donc effectivement, ce qui est vraiment intéressant quand on commence à rentrer dans ces démarches-là, c'est qu'on se pose des questions et il y a plein de réponses et qu'aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui sont à construire. Donc nous, comme d'autres acteurs, on a mis en place un projet qui s'appelle Déballer, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, on n'est pas au top. On a des pots en plastique qui permettent de vendre les produits. Il y a une cartonnette, alors c'est un emballage recyclable. Le pot en plastique, il est en polypro. Donc, il est aussi recyclable, le plastique en polypro. Il y a une opercule en aluminium. Donc, tout ça, c'est des matériaux qui sont recyclables. Mais, à la limite, c'est toujours le même adage. Le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Donc, le meilleur emballage, c'est celui qui n'existe pas. Et donc, on a mis en place un projet qui s'appelle Déballer. Alors, ça marche comment ? Ça marche tout simplement de la manière suivante. C'est-à-dire que on livre dans des points de vente, donc des magasins bio, des GMS, on livre des seaux de yaourt. Charge au consommateur de venir avec son propre contenant, donc souvent des bocaux en verre. Et puis la crémière va verser donc le yaourt à 500 grammes, 1 kilo. C'est un peu vintage ce que vous nous racontez, ça nous rappelle la ferme où on allait prendre son lait il y a quelques années. Ouais. On n'invente rien, on essaye de faire en sorte justement de diminuer notre empreinte écologique et pour le faire, effectivement, il y a des choses qui peuvent... Alors ça ne concerne pas tout le monde parce qu'il faut quand même être un peu militant pour faire ce genre de choses, mais ça commence à prendre, surtout dans les magasins bio. Lisa, vous en pensez quoi, vous, à la CLCV de ça ? Parce que, en dehors du côté sympa, du côté, on n'a pas l'emballage, on met ça dans des pots en verre qu'on a gardés du coup précédent, il y a des problèmes sanitaires, non ? Parce que c'est quand même de l'ultra frais. Il ne faudrait pas que, pour préserver l'environnement, on se retrouve avec de la listeria ou de la salmonelle ? Oui, évidemment, il faut faire attention au côté sanitaire, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même une volonté du consommateur de réduire ses emballages, d'aller vers le vrac, etc. Il y a la possibilité d'apporter son propre emballage, donc... Je pense que c'est une bonne initiative et que évidemment il y a des notions d'hygiène et à faire attention évidemment, mais c'est je pense une bonne solution, une bonne proposition. Alors une question sans doute pour vous, Sabine, Dive, comment sont prises en compte les questions de régénération des sols et des méthodes culturales pour parvenir au score ? Alors aujourd'hui, c'est ce qui a été évoqué, la question santé des sols,
Donc santé de tout ce qui est écosystème du sol, richesse du sol, matière organique du sol, stockage de carbone dans les sols n'est pas prise en compte du tout. Donc c'est un des enjeux sur lesquels on essaye de réfléchir à la manière d'incorporer cet élément-là, parce que c'est vrai que si on est très sensible aux questions d'effondrement de la biodiversité terrestre ou aérienne, les mammifères, les insectes, les oiseaux, il y a quand même toute une partie de la biodiversité, c'est même la majeure partie qui est dans les sols et qui est invisible, donc beaucoup plus mal connue, beaucoup plus mal évaluée en tous les cas, et dans ce système de scoring, elle n'est pas présente. Donc oui, c'est un très gros enjeu dans la partie impact positif de l'agriculture. Ça fait partie des sujets qui doivent être sur la table de l'affichage environnemental. Alors, une question pour vous, Pierre. L'éco-score présenté sur Open Food Fact donne la note A à une compote de pommes avec des pommes ayant reçu sans doute 35 traitements. Est-ce normal ? Alors, les compotes sont... Question de Claude. Oui, les compotes sont un impact environnemental beaucoup plus modéré que, par exemple, de la viande rouge, etc. Donc, on a ce bonus pour le bio, mais on a des produits qui ont un très faible impact environnemental, quel que soit le mode de production. Parce que là, quand même, 35 traitements, ça fait peur, quoi. Alors, je ne sais pas s'il y a 35 traitements, si le producteur affirme 35 traitements sur l'emballage, mais en tout cas, certaines catégories de produits, par essence, ont un faible impact environnemental. C'est-à-dire que des fruits et légumes, par exemple, de saison, etc., et les compotes de pommes, c'est du fruit, vont avoir un impact clairement moins élevé que des viandes, que des choses qui sont plus problématiques, comme le cacao ou ce genre de choses. Sabine Bonneau, votre sentiment là-dessus ? Oui, bah écoutez, je peux répondre facilement parce que je produis des pommes et j'ai travaillé dans l'agroalimentaire, notamment avec des pommes conventionnelles. Je vous confirme qu'il y a très souvent au-delà de 30 traitements pendant une saison de végétation sur les pommes. Ça fait partie des produits extrêmement traités. Ce qui nous est répondu aujourd'hui, alors les pesticides, comme je vous l'ai dit, ne sont pas inclus dans les calculs en ACV. Ils sont quasiment invisibles. Donc c'est un enjeu environnemental majeur qui manque aujourd'hui dans l'agribalise. On ne peut pas dire une pomme, Agribalise nous dit que le score est bon parce que c'est un végétal. Sinon, la seule chose qu'on pourrait tirer de la base de données ACV Agribalise, ce serait de dire les fruits et légumes, c'est bien, les céréales, c'est bien aussi, c'est des notes A. Les produits animaux intermédiaires, donc l'œuf, le lait, les yaourts, les produits laitiers, c'est grosso modo C. Et puis après, tout ce qui est viande rouge, c'est mauvais, c'est E. Mais dans ces cas-là, c'est pas un outil utile. Si vous ne pouvez pas discriminer entre des pommes ultra traitées et des pommes donc, qui ont reçu beaucoup de pesticides, qui ont impacté l'environnement, les masses d'eau, les riverains, etc., et une compote de pommes bio, il y a réellement un problème. Et je pense que ça fait partie de l'expérimentation d'arriver à discriminer à l'intérieur des catégories sur des produits qui sont très impactants concernant les fruits, mais également concernant, par exemple, le raisin ou le vin, et concernant également les légumes, qui font partie des produits extrêmement traités. Pierre ? Oui, et c'est ce système de bonus-malus qu'a l'EcoScore, précisément pour pouvoir valoriser ces produits qui prennent en compte la biodiversité, tous les produits bio, par exemple, qui font tout ce travail sur la biodiversité. J'apporte une précision qui est que tous les produits végétaux, quasiment, sont A, quel que soit leur mode de production, donc le bonus ne suffit pas, en fait, pour discriminer. Pierre, je posais la question tout à l'heure à Solène Chambard sur le côté les produits végétaux, les produits alimentaires plutôt végétaux sont bien notés, ceux avec des produits carnés sont mal notés. Est-ce que vous n'êtes pas en train de nous préparer des générations et des générations de végétariens ? Est-ce que vous n'êtes pas en train de nous préparer, mine de rien, l'esprit, de dire « attendez, manger une côte de bœuf, c'est mal ». Alors je me souviens au Salon de l'agriculture il y a quelques années, Interbef qui parlait de flexitarisme. Donc, c'était il y a deux ans. Je pense que les jeunes générations ne nous ont même pas attendu pour basculer vers du flexitarisme ou du végétarisme. Et c'est probablement générationnel. L'EcoScore et Agribalise ont des vertus pédagogiques. Ça permet de situer les choses. Et après, se nourrir, c'est un acte quotidien. C'est-à-dire qu'on a 1000 repas. Si on prend petit déjeuner, déjeuner, dîner, il y a 1000 repas par an. Donc c'est un choix quotidien. Et il ne s'agit pas d'éliminer du jour au lendemain la viande. C'est pas le propos. Mais en tout cas, de permettre d'avoir l'impact. De la même manière qu'on ne va pas arrêter de manger des tartines de Nutella parce qu'elles sont Nutri-Score E, mais ça permet d'avoir une notion relative de l'impact des choses, soit sur la santé avec le Nutri-Score, soit sur l'environnement avec l'EcoScore. Ouf, ma pâte à tartiner est sauvée. Moi, pour conclure cette émission, j'ai deux petites questions à vous poser. Tout d'abord,
Lisa, cet étiquetage, je vais y arriver, environnemental, doit-il être, comme le Nutri-Score, sur la base du volontariat ou obligatoire? Quand on voit que l'affichage Nutri-Score n'est pas obligatoire justement et qu'il est présent alors de plus en plus sur les produits, mais quasiment sur ça dépend des gammes de produits, mais sur certaines gammes de produits, il est présent sur un produit sur deux. Donc le consommateur, il ne pourra pas comparer les produits alors que c'est justement le but de ce score-là. Donc j'ai envie de dire dans ce cas-là qu'il faudrait que ça soit malheureusement obligatoire et un peu contraignant pour les fabricants pour que ça soit utile pour le consommateur. Et puis alors, à vous deux, Jean-Michel, Solène, on parlait à l'instant avec Lisa de Nutri-Score. 5 ans de bagarre homérique pour savoir si on allait faire des pyramides, des ronds, des rectangles, des carrés. Ça a été, Solène, vous en souvenez, c'était un cauchemar cette histoire. Aujourd'hui, cet affichage environnemental, vous le voyez parce qu'on nous dit le législateur pourrait se pencher là-dessus, donner sa réponse à la fin de l'année. Il faudrait que ça arrive vite ou on est reparti pour des bagarres sans fin, Jean-Michel? J'en sais absolument rien. Nous, on a fait le choix d'avancer à notre niveau. Voilà, les enjeux, ils nous concernent tous et ils sont maintenant. Je pense qu'il faut aller vite quand même. Il faut effectivement bien définir l'indicateur pour que ça soit cohérent. Si ça s'appelle affichage environnemental, il faut que ça prenne en compte effectivement toutes les données qui ont un impact sur l'environnement, que ça soit cohérent. Et après, pour moi, il faut aller vite parce que l'alimentation, c'est un vrai levier pour changer les pratiques agricoles. Et pour ça, le législateur doit accélérer, à mon sens, les choses. Alors, Solène, on termine avec vous. Donc, vous, ça sera prêt dans combien de temps? Vous faites des expérimentations, les résultats, tout ça? Ça peut se mettre en place rapidement? Nous, en fait, effectivement, comme on expérimente, on se rend compte que le problème est quand même très complexe. Et pour mettre en place un affichage environnemental, il faut que les données soient robustes et fiables et que, par exemple, les indicateurs soient vérifiés scientifiquement. Aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup d'initiatives et même nous, on réfléchit à la manière dont on pourrait, par exemple, mieux noter la biodiversité. Mais c'est vrai qu'on a besoin quand même d'avoir une robustesse scientifique derrière et on a besoin aussi que ça puisse être vérifiable. Encore une fois, là, on est sur des données moyennes. Donc, effectivement, il y a une base de données qui existe. Mais si on en vient à avoir des informations plus précises, des entreprises qui vont renseigner leurs données et qui vont permettre aussi d'avoir des informations plus fiables, qui vont aussi discriminer les produits et mettre plus en valeur les entreprises ou les acteurs qui mettent en place des démarches d'éco-conception. Il faut aussi pouvoir le vérifier derrière. Et on se rend compte que les données sont énormes, donc il faut pouvoir le vérifier. On va dire qu'il faut donner du temps au temps, ce sera le mot de la fin. Merci mesdames, messieurs d'avoir participé à cette table ronde. Dans un instant, on va retrouver pour la conclusion de cette matinale bio Philippe Henry, le président de l'agence bio. Mais avant cela, on va terminer notre petit tour de France de la France bio, et cette fois direction la région Auvergne-Rhône-Alpes. Retrouvez De la Terre à l'Assiette avec l'Agence Bio. Donc on est une coopérative d'activités et un groupement coopératif qui réunit une cinquantaine d'activités. Dans la distribution et la transformation de produits bio et locaux. La complexité logistique, c'est de collecter des produits et de les livrer en même temps. Des producteurs qui évitent du coup de rentrer en centre-ville avec chacun leur véhicule pour livrer toutes les épiceries du groupement. Et donc en fait, on arrive quand même à avoir un bilan carbone qu'on n'a pas encore mesuré, mais qui est sans doute bien meilleur que des livraisons individuelles pour chaque magasin. Donc aujourd'hui, chaque épicerie est indépendante dans le choix de ses fournisseurs, de ses producteurs. On refuse de mettre en place une centrale d'achat. Ce système logistique nous permet justement de pallier à ça et d'augmenter la part des produits en circuit court, bio et locaux, dans chacune des épiceries. C'était De la Terre à l'Assiette avec l'Agence Bio. Eh bien, c'est l'heure de conclure cette seconde matinale bio. Alors, on va retrouver Philippe Henry, le président de l'Agence Bio. Bonjour Philippe, je voudrais qu'on revienne avec vous sur les points forts de cette émission que vous avez suivie à distance. On a vu qu'il y avait plusieurs systèmes. Est-ce qu'il ne faudrait pas finalement, pour que tout ça fonctionne, qu'il y ait un seul et unique système? Je
Je crois qu'il faut qu'on fasse attention de ne pas perdre les consommateurs avec une multitude d'affichages différents. Parce qu'il y a l'affichage environnemental, mais il y en a bien d'autres. Hein. Dans la vie d'un consommateur, il y a bien d'autres affichages. Donc il faut qu'on soit très prudent là-dessus. Et je pense que nous avons tous intérêt à avoir un affichage unique qui soit public et un affichage unique qui reprenne l'ensemble des critères. Alors il ne sera pas parfait. Et ça, il faut aussi qu'on le comprenne. Il ne sera pas parfait. L'important, c'est qu'il reprenne l'essentiel et qu'il traduise bien l'impact environnemental des produits. Donc c'est ça qui est important, mais je pense qu'on ne peut pas s'autoriser à perdre le consommateur dans une multitude d'affichages. Et est-ce que cet affichage environnemental va rendre les produits bio, on va dire, plus attractifs, notamment pour des consommateurs qui n'auraient jamais acheté de produits bio ? Oui, bien sûr. Hein, l'environnement, c'est le socle de base de l'agriculture biologique. Tout ce que nous faisons du matin au soir va dans ce sens-là, donc c'est important qu'on puisse le revendiquer. Et on voit bien dans l'évolution, d'ailleurs, dans ce qu'on étudie à l'Agence Bio, notamment l'évolution des consommateurs et l'évolution de la jeune génération qui vient acheter des produits bio parce qu'ils ont un impact positif sur l'environnement. On voit bien qu'il y a une vraie attente de ce côté-là. Et l'affichage environnemental est un vrai atout pour valoriser encore plus les produits bio dans cette dimension-là, entre autres. Alors si je vous comprends bien, en fait, le petit carré vert ou l'eurofeuille, comme on dit, ne suffit plus. Alors, un cahier des charges, c'est pas quelque chose de sacré, c'est quelque chose qui évolue. Il a été construit au fur et à mesure des années. Et je pense que cette préoccupation environnementale qui a toujours été la nôtre, mais qui est de plus en plus prégnante dans la société, il faut aussi qu'on pense à un moment donné à l'intégrer un peu mieux dans notre cahier des charges. C'est une réflexion qu'on doit avoir pour faire un peu de prospective. Je pense qu'il faut qu'on s'interroge au niveau de la filière bio pour aller encore plus loin, bien que l'environnement soit notre socle fondamental. Il faut qu'on aille encore plus loin vis-à-vis des consommateurs dans ce sens-là. Bon, alors à longueur de journaux télévisés, on nous parle de transition écologique, mais tout ça, c'est quand même un petit peu flou pour beaucoup. Est-ce que l'affichage environnemental, selon vous, ça va rendre la transition écologique plus concrète ? Ah oui, je pense que c'est un élément de plus. Voyez un peu l'impact, je vais reprendre la côté énergie, voyez un petit peu l'impact du A+ ou du A++ quand vous allez acheter de l'électroménager. C'est un vrai impact, ça a emporté un petit peu le marché. On voit bien que tous les industriels aujourd'hui vont dans ce sens-là. On aura le même effet avec l'affichage environnemental, en tout cas on peut l'espérer. Et c'est dans ce sens-là qu'on travaille, de façon à ce que les consommateurs s'y retrouvent vraiment, qu'il y ait une vraie adhésion à une transition vers des consommateurs qui vont aller vers des produits qui sont plus respectueux de l'environnement. Mais j'en profite pour rappeler aussi que la responsabilité, elle est partagée. C'est-à-dire que nous avons une responsabilité individuelle en tant que consommateur quand nous achetons des produits sur l'impact que nous avons sur l'environnement. Mais il y a aussi une responsabilité collective qui, elle, est portée par les pouvoirs publics. Et donc, l'environnement, il doit être protégé de deux façons. Par notre responsabilité individuelle en tant que consommateur et par la responsabilité collective par la puissance publique qui, au travers des normes qu'elle prend, des subventions qu'elle donne, des taxes qu'elle met, a aussi un impact fort. C'est important de garder aussi à l'esprit que nous avons deux socles de base pour protéger l'environnement. Ben merci Philippe Henry, ce sera le mot de la fin de cette seconde matinale bio. Permettez-moi de remercier aussi tous ceux qui ont rendu cette émission possible, tant du point de vue technique que du point de vue de l'Agence Bio. Merci à tous et puis on se retrouve très bientôt pour reparler de ces dossiers qui feront notre quotidien, qui font déjà notre quotidien en bio. À bientôt.